Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat sur TV Fil 78. Aujourd'hui, ce sont les candidats de la 11e circonscription des Yvelines qui vont revenir sur quelques-uns des points de leur programme pour vous aider à trancher lors du premier tour de scrutin le dimanche 11 juin. Et vous le voyez, ils sont 13 à se présenter sur ce secteur qui couvre les communes d'Elancourt, Bois d'Arcy, Saint-Cyr-l'École, Fontenay-le-Fleury ou encore La Verrière et Trappes. Tous les candidats n'ont pas pu ou pas souhaité participer à cette émission, notamment en raison des conditions d'organisation pour des contraintes technique. Vous le savez, nous ne pouvons pas recevoir simultanément tous les candidats en plateau. Mireille Brugnaud pour le Front Libéré et son suppléant Nicolas Boller ont du coup annulé leur participation pour cette raison. Il y aura deux plateaux ce soir. Pour commencer, autour de cette table, Jean-Michel Fourgousse pour les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Sandrine Grangam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable départementale du Parti Socialiste et vous représentez aujourd'hui Benoît Hamon, candidat lui aussi, député sortant, et vous représentez aussi sa suppléante, puisque aucun des deux ne pouvait être présent. Luc Miseret, bonsoir, pour le Front de Gauche, le Parti communiste français. Mathilde Andouet, bonsoir, bonsoir, pour le Front national. Mathurin Lévy, pour la France insoumise, bonsoir, bonsoir à vous. Et enfin, Sylvia Cantaloupi, bonsoir, pour bonsoir. Debout la France. Je rappelle que vos temps de parole seront bien évidemment chronométrés. L'équité s'appliquera au mieux, l'égalité au maximum. Nous verrons les temps de parole régulièrement s'afficher. On va faire un premier tour de table, vous en avez l'habitude maintenant, avec cette question simple. Pourquoi les électeurs devraient vous faire confiance? Pourquoi devraient-ils vous accorder leur voix? On commence avec vous, Jean-Michel Fourgousse. On commencera dans ce sens-là l'émission et on conclura à l'inverse. Voilà, allez-y. Ben, parce que... vous pouvez laisser le micro. Je me bats sur l'emploi. Vous savez, on construit des incubateurs qu'on développe sur cette circonscription, sur notamment l'agglomération de Saint-Quentin. Ça crée de l'emploi. Ça aide nos jeunes à créer des entreprises. On accélère donc la montée en puissance de nos jeunes. Bon, deuxièmement, il faut bien sûr renforcer les formations. Notamment, il faut développer ces écoles de codage, ces écoles du numérique aujourd'hui, qui préparent bien sûr une vraie révolution et qui sont un très bon levier pour la croissance. Donc moi, je me bats sur ces écoles, mais c'est des décisions aussi nationales. Et puis, bien sûr, sur la sécurité, enfin, sur l'innovation, vous savez, on est une zone d'innovation très importante. Moi, je travaille sur le projet de la sécurité du futur, le commissaire d'agglomération, avec toutes les dernières technologies. On développera les différents thèmes. Donc voilà, donc, beaucoup de grands thèmes, mais c'est surtout l'innovation qui est... donc, le projet et l'innovation, ça doit être coordonné au national, c'est du local et du national. Sandrine Grangam, c'est à vous. Pourquoi voter pour votre candidat que vous représentez aujourd'hui, Benoît Hamon, député sortant? Déjà, excusez les deux candidats, mais c'était sur une réunion publique à Elancourt, puisque comme nous n'avons pas pu avoir... la salle de l'hôtel de ville que le maire n'a pas souhaité visiblement nous prêter, alors qu'il s'est attribué deux fois, il a fallu faire en extérieur. Je laisserai Jean-Michel Fourgousse répondre, voilà, je vous interromps juste deux secondes. Avant de commencer les hostilités, je rappelle que le temps de parole est chronométré, oui. Donc les explications si que vous donnez et déduites de votre temps de parole. C'était juste pour être clair sur les règles. Je vous explique simplement pourquoi les deux candidats ne peuvent pas être là et qu'ils sont en extérieur sur une réunion publique à Elancourt. Donc on a un candidat qui est connu dans la circonscription, qui est solide, qui a une voix qui porte, au niveau national et qui a été efficace aussi sur le terrain. Il a aidé de nombreux concitoyens à débloquer des problèmes personnels. On a des milliers de personnes qui sont venues à sa permanence, qu'il a aidé. Il a aidé des entreprises, il a aidé à Fontenay le déploiement de la fibre. Donc on a affaire à quelqu'un de solide, efficace et qui a une voix qui compte. Luc Miseret. Bonsoir. Ce qui marque un peu ce scrutin, c'est notamment la défiance quand ce n'est pas la désespérance. Et donc nous, on a axé toute notre démarche, on n'a pas fait de réunion publique, mais plus des contacts en direct avec la population pour essayer de rétablir cette confiance qui est nécessaire. On en a besoin parce que le progrès social, c'est quelque chose de possible. On a les financements pour, simplement c'est dans le cadre de la répartition des richesses et des choix politiques qui seront faits qu'on ira vers du progrès social ou pas. Tout laisse à penser qu'on va vers la régression sociale en continu. On nous parle de renouveau avec ce nouveau président de la République. En réalité, c'est la continuité, voire le retour à Valéry Giscard d'Estaing. Donc de cette droite-là, on n'a pas besoin. On a besoin d'une vraie politique de gauche. Mathilde Andouet pour le Front National. Alors, l'élection de M. Macron, un grand coup de marketing, et l'arrivée en fait, sur le terrain de candidats dont le point commun est certainement le suivisme derrière ce nouveau président. Candidats parmi lesquels, d'ailleurs, on trouve certains qui mettent vraiment la France au second plan. Je pense et je crains qu'on
on entérine une logique, la même logique du balancier de droite-gauche qu'on a eu pendant des années, qui a juste effacé la France progressivement. Et donc, cette logique, en fait, lorsqu'on l'intérêt national vient au second plan, il est né, les plus pauvres en trinquent, et du coup, là, le président se retrouve avec une logique de clientèle, et sa clientèle à lui, c'est des petites élites mondialisées. Concrètement, il faut aller défendre les Français, et je pense que donner les pleins pouvoirs aux grands gourous du pensée printemps n'est clairement pas une chance pour la France, et donc il est nécessaire d'envoyer à l'Assemblée des députés patriotes. Mathurin Lévy, pour la France insoumise, pourquoi les électeurs doivent vous faire confiance ? Parce que je crois qu'on traverse une période politique qui est un petit peu particulière, qui se caractérise par plusieurs crises qu'on est en train d'affronter aujourd'hui, que frappe notre société. La crise écologique, dont pas grand monde ne parle, mis à part ceux qui, à gauche, pensent qu'effectivement, on doit protéger le seul écosystème dans lequel on peut vivre. Et donc ça, c'est une priorité absolue. La crise démocratique, dont pas grand monde ne parle également, mais qui frappe notre pays de manière assez sévère. Et moi, je pense qu'il y a des mesures extrêmement fortes à prendre pour remettre de la démocratie dans le fonctionnement de notre pays. Et ça, c'est indispensable, par exemple, par un mécanisme qui permet de révoquer les élus par référendum en cours de mandat, et qui est une forme de contrôle populaire qui peut s'exercer sur les responsables politiques. Et enfin, parce qu'on termine cette triste liste sur une crise extrêmement violente, qui est la crise sociale qui frappe notre pays et qui va être amplifiée par les réformes que porte Emmanuel Macron. J'en dis un mot maintenant parce que ce n'est pas prévu dans le reste de votre programme, mais par exemple sur la réforme du Code du travail qui est envisagée par Emmanuel Macron, c'est quelque chose d'extrêmement violent qui vise à organiser l'ensemble des négociations sur le contrat de travail, le temps de travail, la rémunération, le salaire, etc., à l'échelle de l'entreprise. C'est une immense régression pour des millions de salariés dans notre pays. C'est un retour au 19e siècle. Par ordonnance, donc en vous aurez les uns les autres une carte blanche d'ici la fin de cette émission. Je sais que c'est pas prévu, donc il va falloir envoyer vous aurez une carte blanche pour vous exprimer. Des députés de résistance et donc des députés de la France insoumise pour se protéger des mauvais coups que prépare Emmanuel Macron. Sylvia Cantaloupi pour Debout la France. Bonsoir, moi je suis ici pour représenter les idées portées par Nicolas Dupont-Aignan lors l'élection présidentielle. Donc nous portons des valeurs gaullistes, humanistes, sociales, qui nous semblent bien en danger dans la prochaine majorité, si elle a lieu. Et je voulais surtout dire que, en tant que fille de commerçant et en tant que personnel hospitalier, j'ai une vraie connaissance de toutes les composantes de notre circonscription. J'y habite depuis toujours, quasiment. Et voilà, et il faut une opposition nette avec des élus qui soient différents et surtout qui aient, comme moi, un casier judiciaire vierge. Ce serait bien que tout le monde en fasse autant. Je ne doute pas sur ce plateau, bien évidemment. Mais c'est une notion qui devrait s'appliquer à tout le monde. Il n'y a pas de... voilà. On termine donc ce premier tour de table. On va parler de sécurité. C'est la première thématique qui a été retenue. Juste, Jean-Michel Fourgou, si vous souhaitiez répondre tout à l'heure à Sandrine Grand-Gambe. Oui, simplement, Madame Grand-Gambe est toujours dans l'insincérité et dans les jeux de mensonges. Je veux dire que c'est des attaques personnelles, c'est toujours le même style. Or, elle n'est pas candidate. C'est déjà difficile, bien sûr, d'accepter cela. Elle vient là pour agresser les candidats. Bon, c'est quand même un peu pénible. Bon, deuxièmement, la salle, on a proposé une salle. Du conseil municipal, dont vous mentez délibérément, vous le savez, vous n'étiez pas d'accord sur cette date, visiblement. Voilà, et sur votre soirée ce soir, elle n'est même pas autorisée. Alors écoutez, on n'a pas autorisé cette manifestation en plein dans un quartier calme, mais c'est un quartier complètement central des Bancours. Je vais vous arrêter là tous les deux pour pas empiéter sur cette émission. Par tous les locataires et propriétaires. Vous êtes exprimés l'un et l'autre sur ce sujet et on poursuit, on reprend le fil de cette émission. Vous êtes tous environ à une minute, sauf Mathurin Lévy, vous avez pris un petit peu plus d'avance, 1 minute 20. Luc Miseret, un tout petit peu en dessous, 48 secondes de temps de parole. Donc c'est vous qui allez commencer et ouvrir les discussions autour de cette thématique de la sécurité. Il y a deux problématiques derrière la sécurité, la lutte contre le terrorisme. On parle sur trappe de 60 à 80 jeunes qui seraient partis vers la Syrie. Et puis il y a aussi la délinquance au quotidien. Certaines communes qui ont fait le choix d'armer leur police municipale, c'est le cas par exemple à Élancourt. Quelles sont vos propositions en termes de sécurité et comment vous jaugez de cette problématique sur notamment la 11e circonscription ? Alors, déjà, moi, j'aimerais parler pas simplement de la sécurité. J'aimerais commencer par la tranquillité publique. Et là-dedans, il y a effectivement la sécurité, mais la sécurité, on l'assimile aussi à la notion de justice. La sécurité, déjà, il y a quelque chose d'essentiel, c'est la police de proximité, qui a été évacuée par M. Sarkozy, sur laquelle M. Hollande n'est pas revenu. Et ça nous semble essentiel pour travailler à une meilleure connaissance du terrain. Et donc là, on a besoin de proximité.
Donc quand, par exemple, le président de la République dit qu'il y a besoin de moins de fonctionnaires, ben nous, on dit qu'il y a besoin de plus de fonctionnaires. En ce qui concerne la sécurité, donc pour la police et la gendarmerie, mais également dans la justice, mais également dans bien d'autres domaines comme l'éducation, la santé, etc. Au niveau de la justice, là encore, il n'y a pas que la sanction. Il y a aussi la prévention sur laquelle il faut faire des efforts particuliers. Et monsieur le conseiller départemental, il serait fort souhaitable que les efforts sur la prévention spécialisée soient revus considérablement à la hausse. Pardon. Il y a la prévention, il y a la sanction, la manière dont elle est appliquée. Hein, on sait que nos prisons, et on a une prison dans notre circonscription, donc on sait que nos prisons ne fonctionnent pas bien. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler aussi, parce que sinon, comment travailler sur la récidive ? Et ensuite, il y a aussi un esprit que j'aimerais rajouter, qui est celui de réparation. C'est-à-dire que quand on a commis un délit, on devrait aussi le réparer. C'est pas simplement par une peine de prison qu'on le répare. Et donc, sur ces sujets-là, il y a énormément à faire. On est très préoccupés, et moi, j'ai les deux pieds dedans parce que je suis un élu de terrain. On est très préoccupés par des situations actuellement entre jeunes qui s'affrontent. Et ça, c'est dans la démarche, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Allez-y, pour ne pas empiéter trop sur votre temps de parole, concluez juste si vous le souhaitez. Et sur le terrorisme international, là encore, les besoins sont extrêmement importants. C'est vrai que Trapp, par exemple, a été particulièrement touché, mais tout ça est aussi la conséquence d'un manque d'investissement sur l'éducation, la culture, sur l'accompagnement des familles. Il faut rajouter ce volet prévention aussi, accompagnement social au quotidien, pour m'excuserai, résumer votre pensée, pour vous laisser du temps de parole pour vous exprimer après. Sylvia Cantaloupi, je vais vous faire réagir et qu'on vous écoute aussi sur cette question de sécurité. La sécurité, c'est trois choses. D'abord et avant tout, pour essayer de faire un peu de sécurité dans notre pays, il faudrait commencer par en contrôler nos frontières. Donc, comme Nicolas Dupont-Aignan, je réclame le rétablissement des frontières. Pas la fermeture, le rétablissement. Deuxièmement, comme vous venez de le dire, on a une prison dans notre circonscription, mais il n'y a pas que la nôtre. Il y a, en ce moment, il manque 40 000 places de prison. Et ce que m'étonne que M. Fourgouche ne soit pas davantage au fait de ce sujet, parce qu'il y a la sécurité et le bien-être des détenus, ce qui est une chose, parce qu'effectivement, si on évite la récidive et faire de la réparation, il faut que nos détenus ressortent de là dans un état correct, mais aussi que le respect des détenus, c'est aussi le respect des conditions de travail du personnel de l'administration pénitentiaire qui souffre énormément. Je pense que M. Fourgouche s'est bien placé pour le savoir. Voilà, deuxième chose. Et ensuite, il y a aussi un autre... Parce que ma suppléante est cadre de l'administration pénitentiaire. Je ne savais pas si elle souhaitait qu'on le dise, donc je... Non, mais tout à fait, c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai, mais je ne voulais pas le dévoiler si elle ne le souhaitait pas. Dossier, ouais. Un deuxième point, on a quand même un certain nombre de mosquées dans notre circonscription. D'ailleurs, en faisant la campagne, on a pratiquement tous les cultes de représentés dans notre circonscription. C'est toujours très intéressant. Mais au niveau des mosquées, il faudrait peut-être les surveiller davantage, exiger que les prêches soient faits en français, surveiller les imams et contrôler vraiment tout ce qui peut s'y passer, parce que autant un lieu de culte ne pose aucun problème, et je pense que s'il en faut le nom, il n'y a pas de problème, mais il faut vérifier tout ça, parce que c'est quand même le creuset de violence dont nous sommes tous les victimes. Nous poursuivons ce tour de table autour de cette question de sécurité. Bien évidemment, les uns les autres, vous pouvez réagir si vous le souhaitez. Sandrine Grandgombe, c'est à vous. Je ferai s'afficher dans un instant les temps de parole, comme ça vous pourrez vous positionner chacun. Mais c'est à vous à présent sur la sécurité. Bon, on va avoir des points d'accord sur notamment la police de proximité. Benoît Hamon a d'ores et déjà dit que, puisque c'est un des points du programme d'Emmanuel Macron, que ça ferait partie des dispositions qu'il voterait si on met la police de proximité sur le terrain. On a besoin effectivement de recréer du lien, et on l'a vu à Trappes récemment, entre les habitants et la police, un lien de confiance qui fait que chacun puisse se parler sans avoir de peur. Et on a besoin aussi de cette police de proximité dans un souci d'efficacité, parce que c'est absolument
absolument indispensable. Après, sur les conditions, vous avez parlé des conditions du personnel pénitentiaire, quand les policiers nous interpellent, ils nous parlent non pas du commissariat du futur, c'est peut-être une très bonne chose pendant quelques années, mais dans l'immédiat, ce qu'ils veulent, c'est des conditions décentes pour travailler. Je ne sais pas si vous avez vu dans quelles conditions ils travaillent. On nous avait expliqué que ça serait résolu très rapidement, notamment avec Mme Pécresse qui arriverait à la région. La réalité est quand même beaucoup plus compliquée. Je pense que là, il y a vraiment urgence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser du personnel qui rend un service public à la population travailler dans des conditions qui sont déplorables. Donc, dans la circonscription, il y a quelques points, il y a quelques points qui sont absolument... Vous avez fait quoi sur ce commissariat ? Il y a un certain nombre de points où il faut absolument mettre non seulement les moyens humains, mais aussi les moyens financiers pour la rénovation. Et si vous souhaitez répondre à la question qui vous a été posée ? Non, parce que c'est assez agressif comme ton, donc je préfère rester... Ah oui, vous n'êtes pas agressive, les autres sont... Enfin, c'est insupportable d'avoir quelqu'un qui n'a rien à faire dans ce débat et qui est là uniquement pour agresser les autres, c'est vraiment... Alors, je dis un petit mot sur le commissaire d'Élancourt, d'agglomération. Bon, effectivement, c'est le commissaire du futur qui est déjà avec des gens très innovants, avec les meilleures entreprises françaises. Ça concerne, bien sûr, l'ensemble des communes, dont les nôtres ici, bien sûr. D'aller attaquer Mme Pécresse là-dessus, elle est venue il y a quelques mois pour dire qu'elle allait donner un tiers du financement du commissariat. Et franchement, vous n'avez rien fait. Vous avez 1000 chômeurs de plus à Trappes qui expliquent l'augmentation aussi de l'insécurité. Parce qu'il y a un lien entre le chômage. Votre bilan est un drame. Vous venez donner des leçons de morale maintenant en parlant du commissariat d'Élancourt qui est plutôt... une réussite qui entraîne beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises innovantes qui travaillent là-dessus, qui concernent tout le monde, que tout le monde demande, que vous osiez mettre en cause. Vraiment, Mme Pécresse qui vient proposer de payer un tiers de ce commissariat, alors que vous ne proposez rien du tout, c'est quand même un compte dit clairement le sens de l'humour. Bon. Je reviendrai vers vos propositions en matière de sécurité, Mathurin Lévy, et puis ensuite ça sera Mathilde. Juste un mot sur la façon dont le débat est en train de s'organiser. Je crois vraiment que c'est ce dont les Français ne veulent plus, c'est-à-dire des vieux partis politiques qui font de la politique ensemble, qui se connaissent par cœur depuis des décennies et des décennies, qui se font une espèce de petit guéguerre de manière plus ou moins agressive sur des questions qui n'intéressent pas grand monde, etc. Enfin, vraiment, je pense qu'on vient d'assister là à la séquence dont les Français ne veulent plus, et c'est clairement ce qu'ils ont exprimé au moment de l'élection présidentielle. Oui, alors, j'y viens, fort bien. Sur la question de la sécurité, j'ai par exemple un vrai désaccord avec M. Fourgous sur la question de la façon dont on traite le terrorisme. Le choix qui a été fait, effectivement, ces dernières années, ça a été de privilégier l'outil informatique, l'outil numérique, au détriment du renseignement de terrain et du renseignement humain. C'est un échec retentissant. Voilà, retentissant. Et donc, il faut effectivement des hommes et des femmes pour surveiller les réseaux sociaux, les technologies, Internet, etc. Mais on ne remplace pas, en matière de lutte contre le terrorisme, le travail humain qui est fait sur le terrain en termes de renseignement, de démantèlement des trafics, des réseaux, etc., etc., etc. Ça a été la grande erreur commise par les deux gouvernements qui nous ont précédés. Mais depuis 5 ans, vous avez distribué les tracts de M. Hollande il y a 5 ans, je m'en souviens. Oui, il a été élu. Très bien. Ça donnait quoi, là, votre... Non, mais je ne suis pas membre. Je suis candidat de la France Insoumise. Je fais la campagne pour Jean-Luc Mélenchon. En 2012, je vous ai vu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans ? Je voudrais terminer sur la question de la délinquance. Justement, rien. C'est ce que je vous dis. Vous avez fait. Les deux gouvernements qui viennent de se succéder sont comptables de la situation. Bien. Je reviens sur un élément qui me paraît important, sur les relations qu'entretient la police et la population, et je crois que là aussi, on touche au cœur du problème. On a effectivement une détérioration de ce lien depuis plusieurs décennies qui est extrêmement inquiétante. Moi, je donne les noms, par exemple, ici, personne n'en a parlé, d'Adama Traoré, de Rémi Fraisse, qui sont deux jeunes de 20-25 ans qui ont été tués lors d'opérations de police, lors d'une opération de maintien de l'ordre ou d'arrestation. Je crois que c'est symbolique qu'il existe aujourd'hui dans ce pays des dysfonctionnements dans la façon dont on organise le maintien de l'ordre et qu'il faut y répondre. Il faut une réponse politique à ça pour que les citoyens retrouvent de la confiance parce que la police, elle est là non pas pour semer du désordre et de la violence, mais pour assurer la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Et donc il y a des mesures simples, mais qu'il faut prendre. Il faut lutter contre le contrôle au faciès et contre les discriminations opérées par certaines parties des forces de l'ordre. Il faut en finir avec un certain nombre d'armes de maintien de l'ordre qui peuvent provoquer des dégâts, les flashballs, le taser, etc., etc. Il faut retrouver une police qui soit apaisée, de proximité, au service des citoyens, et désescalade de la violence et vous dans les relations avec la situation. Mathilde Andrew, à présent, c'est à vous pour le Front National. Et je vous ai vu réagir aussi à ce qui a été dit là. Parce que, encore une fois, pour la gauche, la faute, il y a encore des policiers. Alors les policiers, il y a encore quelques jours à Trappes, se sont fait caresser juste pour enlever une épave de voiture. Je suis désolée, il y a évidemment du soutien matériel à apporter, et c'est là où a failli la droite, clairement, en sabrant dans les effectifs, mais il y a aussi un soutien moral à apporter à cette police, parce que quand il n'y a pas de volonté politique derrière, quand monsieur le chef d'État lui-même va au chevet de monsieur de Théo, qui avait même plus de nom, d'ailleurs, c'est devenu une icône,
de Théo sans même savoir s'il avait été, s'il était totalement innocent de cette affaire-là. Je suis désolée. C'est, les policiers, ça fait partie des professions qui suscitent le plus. C'est des gens qui ne sont pas du tout soutenus politiquement. Donc oui, il faut les renforcer matériellement, il faut les renforcer moralement. Et oui, on demande une présomption de légitime défense quand ils interviennent. Voilà. On demande aussi, évidemment, alors là où je vous rejoins, il ne faut pas non plus, pour ce qui est du renseignement, pas non plus fliquer l'ensemble de la population, alors qu'on est incapable de suivre déjà les fichiers S. Très concrètement, expulser aussi les étrangers fichés S, les gens soupçonnés aussi de connivence avec l'ennemi, avec des gens qui veulent nous tuer, très clairement. Le but du jeu est quand même de dégager du temps à ces policiers dont les conditions de travail sont juste déplorables. Jean-Michel Forgoux, c'est à vous pour parler de sécurité. Alors vous avez été interpellé à plusieurs reprises. Si vous souhaitez prendre un moment pour répondre ou si vous souhaitez embrayer sur vos propositions. Non, simplement sur les effectifs de police, je vous rappelle que la mesure la plus destructrice du nombre de policiers, c'est, vous la connaissez, il y a environ 500 000 personnes qui exercent les métiers de sécurité. Il y a 148 000 policiers nationaux, 98 000, près de 100 000 gendarmes, près de 30 000 policiers municipaux, plus environ 250 000 agents de sécurité, plus ou moins privés, avec des métiers très différents. Ça fait environ 500 000. La mesure la plus destructrice de ces effectifs, c'est les 35 heures. Ça a enlevé 10% de 500 000. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît, si vous parlez tous. Alors, effectivement, l'échange est intéressant, mais parlez pas tous en même temps. C'est 10%, moi j'étais. Vous avez sabré dans les effectifs. C'est 10% de 500 000, 50 000. Alors, quand vous reprochez à M. Sarkozy, je sais pas quoi, 10 000 en moins, bon, voilà, c'est sur 50 000. Et deuxièmement, les propositions, c'est 10 000 policiers. D'ailleurs, tout le monde, à peu près, semble d'accord sur 10 000 policiers supplémentaires. Tant mieux quand tout le monde est d'accord sur quelque chose. Deuxièmement, les places de prison. Les propositions, c'est autour de 16 000 places de prison. Et c'est raisonnable. Je pense que c'est Mme Taubira, d'ailleurs, de votre gouvernement, que vous avez soutenu, vous, notamment vous, là. Qui avait arrêté la construction des places de prison qui aujourd'hui manquent cruellement et qui mettent les gens, et on a raison d'évoquer les conditions dans les prisons qui sont dramatiques. Pourquoi ? Parce que Mme Taubira a enlevé les doubles peines, a enlevé les places de prison qui étaient programmées. Tout ça nous a mis dans une... Bon. Cela dit, la coordination des moyens... Parce que vous la coordination des moyens de sécurité, parler. C'est très important. Il faut coordonner l'ensemble des forces de sécurité. Il faut coordonner l'ensemble aussi des acteurs, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui jouent un rôle sur la sécurité. Donc voilà, il faut des moyens modernes. Donc c'est le projet, bien sûr, que nous, on présente, c'est d'améliorer la pertinence, de diminuer la rapidité d'intervention des policiers ou même des services d'urgence aussi, d'une façon générale. Voilà, donc c'est un beau projet pour l'ensemble de cette circonscription et de cette Et on s'arrête là, on va voir les temps de parole qui vont s'afficher dans un instant. Juste le temps de lancer la deuxième thématique, c'est la question de l'éducation. C'est un des dossiers prioritaires aussi de ce nouveau gouvernement sous cette présidence d'Emmanuel Macron, avec entre autres un retour par exemple à la semaine de 4 jours. Chacune des communes pourra ensuite choisir. On va y venir dans un instant, on va voir les temps de parole de chacun et de chacune qui s'affichent. Et on le voit, Mathilde Androuet, vous avez un petit peu plus de retard que Sylvia Cantaloupi, et Sandrine Grangambe. En revanche, Jean-Michel Forgoux, vous avez pris un peu plus d'avance, ainsi que Luc Miseret. On va donc commencer avec vous, Sandrine Grangambe, sur les questions d'éducation. Aujourd'hui, lorsque vous entendez ce nouveau gouvernement évoquer notamment un retour à l'ancienne formule des rythmes scolaires qui avait été portée par le candidat que vous représentez ici, Benoît Hamon, vous vous dites qu'on va détricoter un petit peu ce qui avait été fait ? Vous dites que c'est un dossier prioritaire. Moi, je n'ai pas du tout l'impression, dans ce que je vois, que c'est un dossier prioritaire pour le nouveau chef de l'État. Il n'y a pas de moyens supplémentaires, c'est un moyen constant, alors qu'il annonce quelques mesures qui signifient clairement qu'il va enlever à certains endroits. Donc, sur les rythmes scolaires, je crois qu'il faut à un moment donné être sérieux. Tous ceux qui s'intéressent vraiment au bien-être de l'enfant et qui s'intéressent à tout ce qui est pédagogie, éducation, savent qu'on ne peut pas améliorer les choses quand on met le maximum d'heures sur le minimum de temps. Donc il faut du temps pour l'apprentissage. La semaine de 4 jours et demi, elle est reconnue comme étant efficace. Et revenir à 4 jours, ce sera quelque chose qui sera vraiment dommageable pour les apprentissages. Donc après, la question, c'est comment on le met en place et comment les communes accompagnent et comment l'État accompagne financièrement. Mais on a vécu avec 4 jours et demi pendant très très longtemps. La droite l'avait cassé. On est revenu à 4 jours. Depuis
depuis. Six mots toujours. C'est compliqué. Négatif. Allez-y, Jean-Michel Forgoux, s'il vous plaît. Donc voilà, moi je pense réellement que 4 jours et demi, c'est absolument indispensable, mais que derrière, il faut que l'accompagnement soit un accompagnement, là encore, humain, des moyens humains, ça veut dire des recrutements, ça veut dire de l'argent supplémentaire pour l'éducation nationale, parce que c'est bien de mettre de la haute technologie, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait simplement de l'encadrement et des projets. Et il y a un certain nombre de communes, je ne vais pas les citer, parce qu'autrement, ça va de nouveau créer des foudres de mon interlocuteur, mais, ensuite, allez-y. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de villes qui n'ont pas de projet en fait pour la jeunesse. Et donc c'est par ça aussi qu'il faut commencer, c'est-à-dire à la fois l'accompagnement donc des 4 jours et demi par les communes et en même temps des projets pour la jeunesse. Je vois que vous avez tous les uns les autres beaucoup de questions à poser à Jean-Michel Forgoux, qui pourra répondre, mais après il risque d'avoir un petit décalage de temps de parole. C'était juste pour préciser les choses. Vous avez bien... Je veux bien, comment? Vous passez votre temps à dire que on l'agresse, mais la réalité, excusez-moi, c'est pas franchement... Je ne suis pas permis de préciser que vous agressiez qui que ce soit sur le plateau. Je précise juste qu'il devra répondre bien évidemment de la même manière que si vous étiez interpellé. Excusez-moi, de la même manière que si vous étiez interpellé, s'il vous plaît. De la même manière que si vous étiez interpellé, il faudrait aussi que vous preniez du temps pour pouvoir répondre. C'est juste justement ce qui s'appelle de l'équité, une égalité de traitement entre les uns et les autres. Et je n'ai jamais mentionné qu'une personne plus qu'une autre était agressée sur ce plateau. Voilà. C'est à vous à présent pour le Front National. Et quelles sont vos propositions en matière d'éducation et le regard que vous portez sur les premières mesures annoncées par Emmanuel Macron? Les premières mesures annoncées, a priori, c'est une liberté sur les rythmes scolaires. Et a priori, je pense qu'on va encore dans cette logique de concurrence qui va forcément s'instaurer. C'est-à-dire que c'est assez amusant, la gauche qui parle tout le temps d'égalité, en fait, n'a juste renforcé l'inégalité entre les communes, entre celles qui avaient de l'argent et moyens d'avoir des vrais temps périscolaires et ceux qui n'en avaient pas les moyens. Et donc, je pense que le gros souci de notre jeunesse, c'est justement de remaîtriser tous ces fondamentaux. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand on maîtrise la langue de Victor Hugo, on s'en sort mieux dans la vie que quand on maîtrise le flow de cortex. Et vraiment, c'est important de revenir sur l'orthographe, le français, revenir sur les fondamentaux et éviter... Là, c'est en fait l'histoire des rythmes scolaires. On peut en discuter. Oui, a priori, normalement, les enfants préfèrent avoir une coupure. Ils sont petits, ils sont jeunes, ils ont besoin d'une coupure au milieu de la semaine. Soit, mais j'ai presque envie de vous dire, c'est presque annexe. Ce qu'il faut, c'est vraiment quel est le contenu qu'on leur met à l'intérieur. Et il est temps que l'idéologie sorte de l'école pour revenir en fait sur de l'instruction. On a trop parlé peut-être d'éducation, revenons à l'instruction, les mathématiques, le français, les langues, revenir sur les 15 bilangues, ça c'est intéressant. Et la logique de M. Macron, c'est une espèce de progressivement de privatisation, un système à l'anglo-saxonne, où, et là je crains qu'à 25 ans, on ressemble aux jeunes britanniques qui sont surendettés avant même de rentrer dans la vie professionnelle. Sylvia Cantaloupi. Écoutez, voilà, pour moi, l'éducation nationale, c'est une vieille poupée qui maintenant est complètement déchiquetée. Il faudrait peut-être en revenir purement et simplement à l'instruction publique et civique, ce qui donne dans l'instruction apprendre les fondamentaux. Alors la langue française, bien évidemment, bien maîtriser l'écriture, bien maîtriser le calcul et la langue française, parce que notre outil de communication à tous français, quel que soit notre niveau d'instruction, c'est par la langue, c'est par le langage, ou écrit ou parlé. Mais si on n'a pas ce langage, c'est quand même la clé de la communication. C'est extrêmement important. Donc réapprendre les fondamentaux. La langue française, pour le coup, c'est important parce que ça fait rayonner notre culture. N'oublions pas le rayonnement de la France par la francophonie. Donc la langue française est quelque chose d'extrêmement important qu'on devrait mieux maîtriser. Et puis ensuite, l'échec scolaire de nos gamins qui sortent, il y en a plus de 150 000 qui sortent par an sans diplôme. Manque de qualification, forcément, c'est du chômage, délinquance, je ne vous fais pas le schéma habituel. On s'y fait, et c'est quand même, moi, ça me fait envie de crier ce genre de choses, parce qu'on le sait, mais il n'y a pas grand-chose qui change. De la même façon qu'il y a des gamins qui arrivent en sixième qui ne savent pas forcément bien lire et qui n'ont pas une vraie compréhension de leur texte. Oui, mais ça, c'est la base. Après, comment voulez-vous continuer à faire des choses si, à la base, les enfants n'arrivent pas à avoir acquis les fondamentaux? C'est fondamental. Luc Miseret, c'est à vous. Pour le Front de Gauche, Parti communiste. Oui, alors, ça serait bien que vous évitiez de caricaturer quand vous dites la gauche. Il y a différentes sensibilités à gauche, comme il y a différentes sensibilités à droite. Bon, on connaît votre laïus, lire, écrire, compter. Très bien. La réalité, c'est qu'on a besoin de quelque chose, de beaucoup... Oui, c'est essentiel, mais il y a bien d'autres choses à acquérir. Et l'éducation nationale, justement, elle est importante pour cela. Ce gouvernement qui a mis en place les rythmes scolaires, c'est une bonne chose. On a eu des débats sur Trappes. Moi, je n'étais pas d'accord avec la manière dont ça s'est passé parce qu'il n'y avait pas assez de concertation, contrairement à ce qui est dit, etc.
La réalité, c'est que fondamentalement, c'est une bonne mesure, sauf qu'elle a été très mal appliquée. Moi, je reprochais qu'on n'ait pas eu de débat. Quand on dit liberté, c'est du grand n'importe quoi. La réalité, c'est que, oui, on a besoin de 4 jours et demi, mais pas en laissant la liberté. Tous les gens sérieux savent que la demi-journée, c'est samedi matin et ce n'est pas le mercredi matin. Si c'est l'intérêt de l'enfant qui est pointé, c'est le samedi matin. Et en plus, c'est l'intérêt des parents parce que c'est le seul moment où la plupart des parents peuvent voir les enseignants. Donc ça, c'est une première chose. Quant à ce gouvernement, on a un affichage 12 élèves. Alors tout de suite, on se dit ça va être une priorité. Ce n'est pas une priorité du tout. Ça, c'est de la vitrine. C'est fait n'importe comment. Quand on pense que le ministre de l'Éducation nationale était une cheville ouvrière de M. Sarkozy, on a tout compris sur comment ça va se passer. Ensuite, au niveau des contenus, quand on fait appel à Pôle emploi pour recruter, eh bien, en termes de pédagogie, en termes de psychopédagogie, eh bien, on s'attend à des jours qui ne seront pas meilleurs. Il y a beaucoup d'écarts qui commencent à se creuser entre les uns et les autres. Donc on va essayer de resserrer un tout petit peu et d'équilibrer ça sur la prochaine thématique et sur votre carte blanche aux uns et aux autres. C'est à vous, Mathurin Lévy, pour la France Insoumise. Alors d'abord, merci d'avoir inscrit cette thématique-là pour le coup dans le débat, parce que je crois que la question de l'école est une question qui est centrale dans notre société. Moi, je travaille sur un établissement scolaire, je suis CPE sur un lycée dans les Yvelines, donc je vis cette question-là au quotidien. Je crois que l'école, c'est beaucoup plus que d'apprendre à compter, à lire et à écrire. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus large que ça, et heureusement. Parce que c'est un endroit où on apprend à vivre ensemble, à discuter, et quand on discute, on apprend à parler français. C'est un endroit où on se cultive, où on apprend de la musique. C'est un facteur d'assimilation. Non, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça, et c'est ce modèle-là qu'il faut préserver en défendant une école publique, laïque et gratuite. Et j'insiste sur ces trois éléments, et notamment sur la question de la gratuité. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'enseignement a un coût pour les familles dans ce pays, que ce soit la cantine, que ce soit les activités extrascolaires qui sont le fruit de la réforme des rythmes scolaires, que ce soit les transports, que ce soit le matériel, etc., ça a un coût. Et donc, il faut une école qui soit réellement gratuite. Ensuite, il faut revaloriser et renforcer le métier des enseignants. Parce que ce n'est pas vrai que cette question-là a été traitée et prise en compte par le gouvernement et le quinquennat qui vient de s'écouler. On a aujourd'hui plus d'élèves par classe qu'au début du quinquennat. Et donc, il faut recruter massivement des enseignants et il faut revoir la formation des enseignants. Parce qu'effectivement, je rejoins Luc Miseret sur cette question-là, être enseignant, transmettre des connaissances, un savoir, ça ne s'apprend pas, ça ne s'apprend pas. Et donc, il faut pouvoir le développer. Et puis, il faut garantir les conditions d'une école qui soit réellement inclusive. Sur la question du handicap, par exemple, il faut titulariser les AVS, qui sont les assistantes de vie scolaire, qui permettent aux élèves handicapés de pouvoir être scolarisés comme l'ensemble des enfants de ce pays. Donc, vous voyez que la mission de l'école, elle est beaucoup plus large. C'est une immense ambition pour notre pays et c'est une immense richesse. Et donc il faut investir massivement sur cette question-là parce que quand on forme une génération, eh bien on forme l'avenir du pays. Avant de vous faire réagir Jean-Michel Fourgous, puisque vous vous êtes encore exprimé sur cette thématique-là, Mathilde Androuet ou Sylvia Cantaloupi, si vous souhaitez prendre le temps, vous avez encore plus d'une minute d'écart avec les autres candidats qui sont exprimés, vous pouvez réagir bien évidemment sur la question d'éducation ou sur ce qui a été dit. Non, j'en revenais à ça, c'est qu'il y a des fondamentaux et que ce n'est pas une question de nombre, mais d'attente et de partage du temps scolaire, parce qu'il y a à apprendre à vivre ensemble, bien évidemment, mais je pense que fondamentalement, vous avez l'air de dire que c'est pas... Le reste ne peut pas être acquis si les fondamentaux ne sont pas acquis. Comment voulez-vous apprendre à vous servir de quel que ce soit, un ordinateur ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas, parce qu'on peut vous apprendre, même si vous ne savez pas lire, si on emploie des mots que vous ne comprenez pas, s'il n'y a pas une bonne compréhension, ça ne marche pas. Donc je persiste à dire que tant qu'on n'aura pas donné une garantie d'acquis des fondamentaux, tout le reste n'est que bavardage. Sur cette question-là, et pour éviter effectivement que les inégalités se creusent sur cette question-là, il faut garantir un soutien scolaire aux élèves les plus en difficulté. Oui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que le soutien scolaire, c'est quelque chose qui coûte cher et donc est réservé à des familles qui ont de l'argent. Et donc il faut garantir par le service public d'éducation un soutien scolaire aux élèves les plus en difficulté. Et d'ailleurs, pour ça, je pense que là, ça vient pas forcément en coût pour le ministère de l'Instruction publique, comme je le dis, c'est que ça peut être très bien remis sous forme d'association. Il y a beaucoup de gens qui sont esselés, qui peuvent participer à la vie de la société en apportant un soutien scolaire et donc un lien humain. Qui ont la pédagogie pour ? La pédagogie, je pense que les enfants, ils sont quand même à l'école toute la journée. Non, si je parle des intervenants que vous évoquez. Pour le soutien, oui, je pense qu'on peut très bien le faire par milieu associatif, bien évidemment.
Je en s'assurant qu'ils ont la pédagogie pour. Ah bah avant, oui, bien sûr. Mathilde Androuet, si vous souhaitez dire un mot. Oui, évidemment. Sur l'éducation, on va s'arrêter là. Sandy Grand-Gambe également, vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir à ce qui a été dit sur les questions d'éducation. On ne peut pas avoir une école à plusieurs vitesses. Ça doit rester un service public qui est garanti pour tous les enfants. Et effectivement, le grand enjeu aujourd'hui, et c'est pour ça que Benoît Hamon avait réussi à obtenir que la promesse de François Hollande sur les 60 000 postes soit maintenue, et qu'on a réussi, c'était pas suffisant, je suis bien d'accord, parce qu'on avait un nombre d'élèves qui arrivaient, une classe d'âge qui arrivait, qui faisait que même avec ces recrutements, c'est pas assez. Mais on a au moins réussi ça, à recruter les 60 000. Non, la promesse n'a pas été tenue, vous le savez. Donc au moins 60 000 enseignants supplémentaires qui ont été recrutés. Et maintenant, il faut absolument qu'après avoir mis le paquet sur le premier cycle, le deuxième cycle soit vraiment étudié avec beaucoup d'attention, collège et lycée. Jean-Michel Fourgoud, c'est à vous. Oui, enfin, quand vous dites des choses comme ça, enfin, c'est comme tout ce qui est raconté sur les résultats de M. Hamon dans la circonscription, aucun maire ne le soutient pour ça, parce que vous mentez délibérément. Les maires ne supportent pas ça. Vous pouvez dialoguer avec eux, que ce soit de gauche ou de droite, mais pas mentir délibérément. Bon, cela dit, sur le rythme scolaire, bon, pour une fois, je suis d'accord avec la gauche. C'est vrai qu'il faut deux coupures, ces rythmes scolaires. Il faut une coupure le dimanche, c'est ça la théorie des rythmes scolaires. Moi, je suis docteur en psychologie, je connais le sujet, et je suis un ancien chercheur à l'éducation nationale. Bon, c'est deux coupures, une le mercredi et une le dimanche, effectivement, donc on peut travailler le samedi. Mais cela dit, bon, deuxièmement, c'est moins d'heures de cours par jour. Or, on a augmenté le nombre d'heures de cours par jour. Donc, les enfants sont plus fatigués. Ça touche à la concentration. Cette réforme est une calamité. C'est une, justement parce que ça fait baisser la concentration. Donc, on va décrocher un peu plus à PISA, c'est tout. Donc, il faut faire bouger cette... Et je me bats là-dessus, vous le savez. Deuxièmement, le problème, et je crois que c'était dit, c'est la pédagogie. La pédagogie, elle est trop frontale, trop magistrale. Les enfants s'ennuient. Moi, je l'ai vécu, ça a été le combat de ma vie. D'ailleurs, j'ai arrêté mes études à 16 ans parce que je m'ennuyais à l'école. Bon. Donc, aujourd'hui, grâce à la révolution, à l'innovation du numérique, vous avez des supports beaucoup plus attractifs. Vous avez, bien sûr, ils peuvent apprendre dans l'école et en dehors des murs de l'école. D'ailleurs, il faut développer le plaisir d'apprendre, le besoin d'apprendre tout seul, même l'autonomie. Et c'est ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, on est en train de révolutionner, bien sûr, la pédagogie, donc l'école. Les profs prennent plus de plaisir à enseigner, les élèves prennent plus de plaisir à apprendre, c'est ça l'objectif. Donc il faut se battre là-dessus, le monde entier, moi je vais aux États-Unis, en Chine, en Russie, voilà, c'est la solution, plutôt que de se battre sur le problème de certains périmètres, aujourd'hui c'est le fond, c'est cette forme en tout cas du contenu sur lequel nous devons nous battre, ce qui s'appelle la pédagogie. Voilà, et puis vous dire qu'à Elancourt, on est considéré comme un modèle, donc moi je me présente, pourquoi? Parce que j'ai réussi. Ce serait bien que les gens qui veulent être députés, à un moment donné, ils montrent ce qu'ils ont réussi. Moi j'ai déposé des brevets, j'ai réussi des choses à Elancourt que d'autres communes viennent voir, d'autres pays. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait bien sûr des députés qui peuvent dire, moi j'ai réussi, je voudrais mettre ça au niveau national. Je pense que ce serait pas incohérent. Je vous arrête. Si vous souhaitez réagir encore sur la question de l'éducation, sinon nous allons passer en un mot. Juste un petit mot, donc monsieur Fourgoud, si j'ai bien compris, vous revenez pas à la semaine de 4 jours l'année prochaine. Et ensuite, moi, ce que je voudrais dire, c'est que là où ce gouvernement qui vient de se terminer a échoué, c'est que quand on veut l'équité, on ne remet pas, quand on change les règles du jeu, on ne remet pas sur les collectivités territoriales le coût de cette réforme. C'était à l'État d'assumer cela. Voilà. C'est peut-être une réponse là-dessus. L'État a assumé en partie, pas assez, mais non, en partie, voilà, mais c'est une réalité. Non, la réalité, c'est qu'il devait assumer à 100%. Oui, mais à un moment donné, il y a aussi un principe de réalité financier qui était comment on fait pour à la fois faire le recrutement du personnel, qui était nécessaire, et en même temps... avoir les moyens pour effectivement accompagner ces réformes. Mais donc, ça renforce les élèves. Le principal défaut de ce projet, c'est qu'il n'a été pas ou mal préparé. On a baissé de 20% les moyens des collectivités. Vous êtes au courant, non? Oui, non, on s'arrête sur ce sujet, si vous souhaitez répondre, et on s'arrête après. De toute façon, vous adressez à moi, qui est assez particulière. Le facteur économique, on s'arrête sur ce sujet, sur Michel Fourgoud, sauf si vous souhaitez répondre. Oui, non, mais plutôt que de jouer sur des formes, Jean-Michel Fourgoud, s'il vous plaît. Voilà, j'aimerais bien juste qu'on s'adresse juste à moi d'une manière correcte. Oui, voilà, mais voilà, c'est toujours des jeux de manipulation, voilà. Vous répondez jamais aux questions. Jean-Michel Fourgoud, s'il vous plaît, laissez juste... On a perdu 20% de nos moyens dans les communes, c'est dramatique. Laissez peut-être répondre Sandrine Grand-Gambe, dans ce cas-là. Voilà.
Non, mais je ne suis pas à l'école. Il y a une question qui vous a été posée, que vous n'y répondez pas. Alors, on va s'arrêter là sur cette thématique de l'éducation. Si ni les uns ni les autres ne souhaitent suivre les règles du jeu et m'écouter, jusqu'à présent, il me semble que c'est moi qui distribue les cartes. Donc, si vous souhaitez répondre, allez-y. Il y avait une question qui avait été posée sur est-ce que Elanco revient à 4 jours. Donc, c'est le jeu des questions. A priori, vous avez des questions les uns pour les autres. Il y a une question qui revient à 4 jours. Tous les profs. C'est une demande qui a été faite. Tous les profs, tous les parents d'élèves, tous les acteurs sont partisans de revenir. Cela dit, vous avez dit vous-même le mercredi et le dimanche. Bon, d'accord, comme coupure. Donc il faut que le mercredi, il faut que le mercredi soit un jour de congé. Vous ouvrez vos centres de loisirs. Nous organiserons un débat sur la question de la réforme des rythmes scolaires dans les prochains jours, sans doute après la campagne. Ce sera à suivre sur notre antenne, c'est d'ores et déjà prévu, le rendez-vous est pris. On va voir vos temps de parole s'afficher. Juste, nous allons passer aussi à vos cartes blanches aux uns et aux autres. Vous aurez plus ou moins de temps pour vous exprimer en fonction du retard que vous avez pu prendre dans les temps de parole. Si on peut voir ce temps de parole, les chronomètres qui s'affichent. Jean-Michel Faure, vous avez le plus d'avance. Mathilde Androuet, vous êtes très en retard sur votre carte blanche. Quel est le sujet que vous souhaitez mettre en avant dans cette campagne, celui qui vous semble le plus important lorsque vous vous présentez aux électeurs? Je voulais parler à l'occasion de cette carte blanche d'une exigence, à mon avis, politique qui dépasse même ma simple candidature. Je pense que désormais, il est impératif que tout politique, de droite comme de gauche, comme marcheur, non-marcheur, ait en tête l'unité nationale. Clairement, nous souffrons très concrètement de cette visée-là, de ce combat pour la France. Cette circonscription est emblématique à cet égard. Elle est enquistée, elle souffre d'un véritable cancer, celui du communautarisme. Une logique qui est d'empiler les communautés les unes à côté des autres, de jouer, du coup, ça vicie la vie politique parce qu'on est dans une logique de clientèle, de concurrence entre ces clientèles, et on ne vise plus cette unité nationale. Et très concrètement, le communautarisme a fait le lit du développement de la violence dans les quartiers, a développé tous les ghettos. Cette circonscription en témoigne. Et je pense qu'il faut être très ferme maintenant, désormais, sur cette volonté d'unité nationale, de faire de l'école, on en parlait, un ascenseur social, mais aussi un facteur d'assimilation, pour lutter, et lutter aussi fermement sur nos principes républicains, liberté, égalité, fraternité, qui sont totalement oubliés dans ces quartiers-là, où la liberté de la femme recule, et je pense que c'est un très bon curseur, et là, je le dis énormément à la gauche, quand elle balaye du revers de la main le cas des cafés de Sevran, ou le cas des quartiers de la Chapelle. Vraiment, il est nécessaire, au nom de la fraternité, là aussi, qui est sur le fronton de nos mairies, de ne pas laisser des Français emprisonnés dans ces ghettos, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller vivre ailleurs. Et dans ces endroits où la loi républicaine passe après les principes religieux, les préceptes religieux fanatiques, parce que le bout de cette logique communautaire, c'est quoi? C'est les attentats qu'on vit aujourd'hui. Mais il y a tout, avant d'arriver au bout de cette logique, il y a aussi tout ce quotidien, tous ces atermoiements, toutes ces négociations sur nos libertés individuelles, les libertés vestimentaires, la liberté d'entreprendre même. Et il n'est pas question que la République recule. Et pour ça, j'en appelle à la conscience politique, à la morale politique de tous les candidats. Nous sommes très attachés au principe de la laïcité, nous sommes très attachés au principe de la primauté de la France et de la loi française avant tout. Je souhaite que ça soit un principe qui irradie l'ensemble de la politique française. Je me permets de réagir sur cette question-là, parce que sur la question de la laïcité, je crois qu'il y a un vrai clivage. Attention, la laïcité, elle s'applique à tout le monde. On ne l'utilise pas comme une arme contre une religion, contre une croyance, contre une partie de la population. Non, mais en l'occurrence, c'est-à-dire que, par exemple, on prend position contre le concordat en Alsace-Lorraine qui garantit un certain nombre de droits à une communauté religieuse. On prend position contre les crèches dans les mairies, parce que là aussi, la laïcité, Mathurin Lévy, on vous a entendu aussi. Gardez du temps pour vous exprimer après ça. Votre carte blanche. Allez-y. Oui, mais sauf que pour moi, cette comparaison est complètement vicieuse et viciée. On n'a aucun Alsacien qui impose à l'ensemble de la population française, aux femmes alsaciennes, de se balader avec des coiffes. C'est pas ce que je vous ai dit. Je dis la laïcité, c'est pour tout le monde. Oui, sauf qu'en l'occurrence, là, je vous parle du recul de la loi de la française. Je ne pense pas qu'en Alsace, on ne respecte pas, sous prétexte d'être Alsacien, la loi française. Alors que concrètement, dans nos quartiers, on ne respecte pas cette loi. Si vous nous suivez, nous êtes bien sur TVFIL 78 et nous parlons de la 11e circonscription des Yvelines et non pas de ce qui se passe en Alsace. Sylvia Cantaloupi, c'est à vous. Bonjour. Écoutez-moi, ma carte blanche, je voulais la dédier à une femme que j'ai rencontrée lors du début de la campagne de Nicolas Dupont-Aignan, qui est en fait la fondatrice de la Brigade des Mères. Cette femme, je ne la connaissais pas, et elle nous a raconté son travail, d'où ça venait.
Voilà, quand elle dit aux femmes, et à toutes les femmes, parce que malheureusement, il n'y a pas que les femmes des ghettos qui ont ce genre de problème, « Debout les mères, réveillez-vous », c'est-à-dire qu'il faut effectivement donner des chances à vos enfants. Quand elle dit « Mais avant, l'angoisse de toutes les mères dans ces fameux quartiers ghettos, c'était que les enfants deviennent des délinquants », elle dit « Maintenant, on n'en est plus là, on a peur qu'ils deviennent terroristes ». Donc, il y a un vrai problème. On a construit, il y a des années, des ghettos, et on les a renforcés. On les a repeints de temps en temps, on a mis trois pâquerettes, on est content. Les ghettos sont de plus en plus des ghettos. Tant qu'on ne serait pas sorti de ce piège infernal, on n'y arrivera pas. Donc, il y a un moment, il va falloir donner aux mères et aux familles, parce qu'en fait, le secret de le fonctionnement de la société, c'est avant toute chose la famille, à condition que les familles aient les conditions correctes pour pouvoir fonctionner, des logements corrects et des écoles correctes. Mais la première instruction qu'on donne à des enfants, elle est dans le milieu familial. Il va falloir, à un moment, que les mères qui sont le cœur de la famille puissent donner à leurs enfants l'éducation et les instructions et les aspects de la civilité. Tout ça, c'est le cœur de la famille. Il y a un moment, il va falloir l'unité de la nation, elle est par une unité de traitement et une équité. La liberté, c'est très bien, l'égalité, on peut toujours en parler. Il faudrait de temps en temps penser à la fraternité. Sandrine Gangamb, c'est à vous pour la carte blanche. Ensuite, ce sera Luc Miseret, puis Mathurin Lévy. Vous aurez un petit peu moins de temps. Mathurin Lévy, vous avez pris un peu d'avance. Et ensuite, on passera aux conclusions. L'émission se poursuivra ensuite avec un second plateau. Allez-y. Oui, c'est un sujet sur lequel Benoît Hamon est intervenu depuis quelques jours, qui a été évoqué un petit peu par Mathurin Lévy au début de l'émission, qui est la question de la réforme du droit du travail qui se profile. Alors, le projet est encore assez flou, mais enfin, on voit bien la direction qui est prise par ce gouvernement. Et c'est dommage qu'effectivement, il n'y ait pas de représentant de La République En Marche pour justement interpellé sur ce sujet-là. En même temps, vous avez commencé le travail. Hein. Donc sur la réalité de ce qui se profile, on est sur un abaissement des protections sociales et on nous explique que grâce à cet abaissement, on va pouvoir créer de l'emploi. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays, ça ne marche pas. Ce qu'on accroît, c'est la précarité. C'est notamment, on parlait tout à l'heure des femmes et du rôle de la famille. On a des femmes qui sont dans des situations, dans la circonscription de plus en plus précaires, qui sont les premières touchées justement par les situations de grande pauvreté. Et donc là, ce qu'on est en train de préparer et sur lequel il faut absolument alerter nos concitoyens, et l'enjeu, c'est là, c'est les élections, leur dire attention, votre vote, il est déterminant par rapport à cette question de casse de la protection sociale qui est en marche. Vous devez absolument réagir parce qu'on est en train de vraiment mettre à bas tout un système de protection sociale qui était absolument essentiel et qui faisait aussi la fierté du modèle français. Donc on est là sur une logique folle de dévaluation sociale qui est extrêmement alarmante. Luc Miseret, pour votre carte. Le problème majeur qui tient tout, c'est l'économie et le développement économique et le développement de l'économie réelle. Or là, on est parti sur une économie des financiers. Monsieur Macron, issu des banques d'affaires, leur spécialité, c'est un, de regrouper pour licencier, et deux, de participer à la fraude fiscale, pudiquement appelée évasion fiscale, voire optimisation fiscale. Donc, ce dont on a besoin, c'est de relancer l'économie, et de relancer l'économie, ça, c'est possible parce qu'on a les financements. La Banque Centrale Européenne a mis dans le circuit 1000 milliards d'euros. Ils sont passés où ? On nous parle toujours, il faut évaluer. Quelles évaluations on a de tout ça ? On n'a rien du tout, et ça, c'est de l'emploi. Donc, nos quartiers, ils souffrent de cela, de l'économie réelle, c'est-à-dire de tout ce qui peut être mis en place sur, par exemple, la rénovation urbaine, au niveau de la rénovation thermique, notamment pour l'environnement, de tout ce qui peut toucher les transports, de tout ce qui n'est pas délocalisable, pourvu qu'on ne sous-traite pas à l'entreprise machin qui sous-traite elle-même à l'autre entreprise, etc., etc. Donc, en développant l'économie réelle, de proximité, eh bien, on résout tout un tas de problèmes. Mathurin Lévy, c'est à vous. Rapidement, j'imagine. En moins d'une minute, effectivement, parfait. Ce serait bien, 45 secondes, ce serait parfait. Ça ne sera pas une carte blanche, mais une carte verte, parce que je souhaite quand même qu'on parle d'écologie dans le débat que nous avons. On en parle trop peu et c'est une question absolument majeure. Et donc le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui s'intitulait « L'avenir en commun », faisait de cette question-là une priorité. Moi, j'ai la conviction qu'il faut absolument protéger notre écosystème et pour ça, sortir des énergies qui polluent notre planète, sortir de l'énergie nucléaire, et je suis
le seul qui ait signé sur la circonscription l'appel du réseau Sortir du nucléaire. Je crois que c'est une vitalité. Nous avons besoin d'envisager de passer d'ici quelques années, 50 ans peut-être, à 100% d'énergie renouvelable. Nous avons besoin de donner les moyens à notre agriculture de faire la grande transition biologique pour garantir une alimentation saine à l'ensemble de nos concitoyens, de révolutionner la façon dont on se déplace dans ce pays. Moi, je crois encore que le rail est la façon, le train est la façon la plus écologique de se déplacer. Donc, il faut renforcer ce mode de déplacement. Voilà, je crois que notre économie, de manière générale, il faut qu'on apprenne à produire autrement pour respecter à la fois les hommes qui produisent, à la fois l'environnement et à la fois les animaux qui vivent sur notre planète. Il faut absolument protéger cet écosystème et on ne peut pas accepter que rien ne soit fait pendant ce quinquennat en faveur de l'environnement. Donc il faut des députés issus de la France insoumise pour porter ces questions-là. Jean-Michel Fourgousse, c'est à vous. 45 secondes, ce serait bien également. Oui, alors, moi je voudrais rappeler que la démocratie, c'est important. On va élire des représentants du peuple, donc il y a des règles. Je suis effectivement surpris que Madame ne soit pas là. Je suis surpris que dans ses présentations, elle ne connaisse pas le nombre des communes de sa circonscription. Elle pense qu'il y en a 6 alors qu'il y en a 7 quand même. Elle n'est pas là pour vous répondre. Elle se trompe même sur l'orthographe d'une des villes de sa circonscription, qui est la Verrières. Il y a bien 2 R à la Verrières, je le confirme. Il n'y a pas un seul R. Enfin, elle se trompe sur le... Elle rencontre un maire, elle pense que c'est un autre maire, elle se trompe de nom. Enfin, demain, on doit avoir des représentants qui connaissent les réseaux, qui connaissent les dossiers, les grands enjeux, qui connaissent les communes un minimum. Je trouve que cette dérive au niveau national, il semblerait qu'un tiers en fait, des candidats, notamment d'En Marche, n'ont aucune racine, aucune compétence particulière. Ça m'inquiète. Et dernier point. Oui, je vous arrête parce que vous avez l'argent. Moi, je me bats sur l'école. C'est ma passion. Donc, vous aurez l'école la plus moderne de France. Tout à l'heure. Et avec l'université qui suivra, qui est Paris-Saclay, qui doit rentrer dans le top 20 du classement de Shanghai. Voilà. Donc, on a parlé de l'éducation tout à l'heure. Un vrai combat. Je vous arrête parce que vous avez beaucoup, beaucoup trop d'avance par rapport aux autres. Ensuite, on passe à vos conclusions. Les temps de parole vont s'afficher pendant ce temps pour que l'émission puisse avancer et laisser rentrer les autres candidats qui aussi vont venir s'exprimer et qui se présentent dans cette 11e circonscription. On y va pour vos conclusions. Je vous en prie, Sylvia Cantaloupi pour Debout la France. Si vous aviez un dernier mot aux électeurs, c'est maintenant. Écoutez, moi, je pense qu'il faut donner à Emmanuel Macron une opposition franche, massive et sincère. Parce qu'il y a un moment où tous les patriotes de ce pays, qu'ils soient de tous bords, peu importe, on a tous l'amour de notre culture et de notre pays chevillé au corps. On ne peut pas laisser un gouvernement, entre guillemets, d'amateurs, faire tout et n'importe quoi. Je voudrais, pour ma part, pour mon pays, une Assemblée nationale qui soit une vraie assemblée de députés patriotes qui défendent l'intérêt de leur pays, qui ne se contente pas, comme c'est malheureusement souvent le cas, d'être une chambre d'enregistrement des directives européennes, qu'elles viennent de Bruxelles ou d'ailleurs. Et j'en reviens à ce que je vous disais toujours, la liberté, bien sûr, l'égalité, si on peut, mais surtout, toujours et partout, la fraternité. Mathurin Lévy. Oui, moi je suis le candidat qui représente le programme de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun. Nous avons cette cohérence de porter à la fois à l'élection présidentielle et aux élections législatives le même projet politique. Nous présentons 577 candidats et donc nous sommes prêts demain à gouverner le pays et à appliquer ce programme. Sur les bases que j'ai décrites au cours de ce débat, une grande transformation de notre société vers l'écologie, vers plus de justice et de solidarité et vers plus de démocratie. Voilà quels sont les piliers, les grandes lignes de notre campagne. Et je reviens quand même sur la question du progrès social qui me semble déterminante. Et moi, je m'engage, par exemple, si je suis élu député, à voter contre la réforme du travail proposée par Emmanuel Macron et à porter plutôt que cela une augmentation des salaires et la généralisation des CDI pour faire en sorte que l'on puisse vivre mieux dans notre pays. Mathilde Androuet. Là, très concrètement, on est tous d'accord sur le fait qu'on ne veut pas laisser les pleins pouvoirs à M. Macron. C'est vrai que c'est un peu vers quoi on se dirige si on en croit les sondages. Parce que après l'euphorie de la présidentielle, du tout beau, tout nouveau, alors que c'est quand même pas une personne issue des équipes de Hollande et qui fascine à n'en plus pouvoir les Républicains, qui rêvent de le rallier, la vraie question est de savoir qui est-ce qui va faire son position et qui est-ce qui va porter la France au Parlement. Parce que les Français aussi, il faut que les Français reprennent les pouvoirs dans ce pays-là. Et en effet, la Chambre ne devienne pas une chambre d'enregistrement, comme on disait, de directives européennes, mais aussi de toute cette clientèle qui entoure M. Macron et qui reste, somme toute, assez obscure. Et refaire du neuf avec de l'ancien, parce qu'on n'a finalement vu aucun renouveau, je crois que les Français en ont assez. Il est nécessaire qu'ils reviennent en force à l'Assemblée nationale. Luc Mizray, votre
votre conclusion. Le renouveau, c'est plus de solidarité, plus de coopération et plus de fraternité. Là, ce qu'on voit, c'est la République des affairistes. Donc, c'est pas de cela qu'on a besoin. Jean-Luc Mélenchon n'est pas propriétaire de toutes les idées progressistes à gauche. Nous avons nous-mêmes appelé à voter pour lui. Donc, ce qui est important, c'est un rassemblement ouvert, s'appuyant réellement sur les valeurs de gauche. Et c'est cela que je souhaite défendre. Sandrine Grand-Gambe. Je disais tout à l'heure que sur le projet de la loi Macron, c'était une catastrophe. Il se trouve que ce projet, c'est le projet en fait de la droite hein, qu'on retrouve. Et d'ailleurs, les grands leaders de la droite ont dit que... C'est le moment de la conclusion. J'aimerais juste que vous laissiez les uns les autres s'exprimer. On sera d'accord que ça veut dire qu'elle n'est pas de gauche, cette gauche-là. Hein. Donc c'est là, les grands responsables de la droite ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord avec le projet de Macron. Donc il faut absolument que l'on ait des voix de gauche au Parlement, forte, qui se fasse entendre. Là, on a un député sortant qui est à la fois très ancré sur le territoire et qui a fait beaucoup sur ce territoire pour débloquer des dossiers. On voit sur la National 10, il est intervenu pour réussir. C'est compliqué, vraiment. Vous allez parler après. Donc, on a des interventions qui ont permis de débloquer sur la circonscription des dossiers. Et puis, on a aussi quelqu'un qui est un élu de proximité, mais qui est capable de se faire entendre au niveau national et qui est libre, qui ne se croit pas au-dessus des lois, lui, qui respecte la loi et qui pense aussi que quand il faut dire non, il le fait, il est capable de le faire et il l'a montré à la fois en quittant le gouvernement et en disant non au lobby quand il fallait le faire. Jean-Michel Fourgoux, c'est à votre conclusion, si vous pouvez être bref. Simplement, 90% des candidats investis par M. Macron sont de gauche. Hein. Donc, je crois qu'il faut en dire ça quand même au niveau droite-gauche. Bon, mais cela dit, bon. Deuxièmement, si vous ne le savez pas, vous venez de l'apprendre, c'est bien. Deuxièmement, bien sûr que cette démocratie, il faut la protéger, si vous voulez. Il faut la protéger, vous l'avez compris. La laïcité, attention, on en a parlé très rapidement, mais il y a un principe dans la Constitution, quand vous êtes député, que vous devez respecter. Ça s'appelle l'égalité homme-femme. Je crois que c'est dans le préambule de la Constitution. Là, on atteint un niveau, et c'est vrai dans certaines villes qu'on a citées, on ne peut pas continuer à tolérer ça. On peut pas, cette vision de la femme, moi, je ne l'accepte pas. Certains ici l'acceptent, visiblement. Ce n'est pas mon cas. Et comptez sur moi, en tout cas, pour le dire haut et fort et prendre les mesures qui s'imposent, bien sûr. C'est la fin de cette première séquence consacrée au débat de la 11e circonscription dans les Yvelines. On voit les temps de parole. Dans un instant, ce sont 5 nouveaux candidats qui vont nous rejoindre. Je vous le rappelle, hein, tous n'ont pas souhaité, n'ont pas pu venir aussi s'exprimer. C'est le cas de La République En Marche, qui était aussi convié et qui n'a pas pu venir en... Qui n'a pas pu venir en plateau. Je vous fournis les explications qui nous ont été données. Libre à chacun de les interpréter. Et à vous d'interpeller les candidats sur le plateau. 5 autres candidats vont venir nous rejoindre juste après ce reportage qui revient sur les enjeux de la circonscription. Merci à vous 6. Merci. Trappes, Éloncourt, La Verrière ou encore le Ménil-Saint-Denis et Saint-Cyr-l'École, la 11e circonscription des Yvelines recense plus de 115 000 habitants. Une population hétérogène qui en juin 2012 portait Benoît Hamon au poste de député avec plus de 55% face aux sortants. Jean-Michel Fourgoux, maire d'Éloncourt. 5 ans plus tard, le socialiste aura occupé 2 postes de ministre et défendu les couleurs de son parti à la présidentielle. Son score a fragilisé sa position puisque dans la commune de Trappes où il aura siégé quelque temps en tant que conseiller municipal, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise réalisaient à ce scrutin un meilleur résultat. Face à un Benoît Hamon affaibli, Jean-Michel Fourgoux, vice-président de Saint-Quentin, entend retrouver un poste qu'il occupait de 1993 à 2002. Seulement, lui aussi doit faire face à une difficulté, l'échec de François Fillon. Lors de la présidentielle, le candidat des Républicains s'est placé 3e dans sa propre commune, derrière notamment Emmanuel Macron. Pour ses législatives, ce dernier est représenté par une candidate de la société civile, Nadia Hay, qui espère profiter d'une vague en marche au niveau national. Au total, 13 candidats se présentent dans la 11e circonscription. La gauche, elle, part divisée avec les candidatures supplémentaires du Parti communiste, de Lutte ouvrière ou encore du NPA. De son côté, le Front national et sa conseillère régionale Mathilde Androuet doivent faire face à la candidature du Front libéré, un parti formé après l'exclusion de militants favorables à Jean-Marie Le Pen. Principaux enjeux dans cette circonscription, l'éducation et l'avenir, entre autres, des rythmes scolaires. Défenseur de la mesure, Benoît Hamon fait face à Jean-Michel Fourgoux qui entend revenir à une semaine de 4 jours en profitant de la volonté d'Emmanuel Macron de laisser plus de liberté aux communes. La sécurité est aussi au cœur du scrutin. Plusieurs faits divers ont écorné l'image de ce secteur. 60 à 80 jeunes auraient quitté Trappes pour la Syrie ces derniers mois.
Le débat du premier tour dans cette 11e circonscription des Yvelines se poursuit. Ce sont à présent 5 nouveaux candidats qui nous ont rejoints. Mathieu Ruffet, candidat pour Le Nouveau Souffle, est en plateau. Bonsoir à vous. Christine Hégaz, bonsoir. Candidate Lutte Ouvrière. Mehdi Emnawar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat divers. C'est ainsi que la préfecture vous a catalogué pour cette élection. Face à vous, Vincent Fournier, bonsoir à vous. Bonsoir. Du NPA. Et Yacine Amar, bonsoir. Vous êtes candidat divers également dans cette 11e circonscription. C'est comme ça que la préfecture vous présente. La règle est la même, hein, le temps de parole sera chronométré, bien sûr vous pouvez échanger les uns avec les autres. Premier tour de table, et cette question simple, pourquoi les électeurs doivent vous faire confiance et vous accorder leur voix dimanche 11 juin ? Bien, déjà parce que j'ai 23 ans et je pense qu'il est important aujourd'hui que la jeunesse se mobilise, une jeunesse d'autant plus issue des classes populaires qui à mon avis est beaucoup médiatisée mais sous-représentée politiquement. On parle beaucoup de nous, on nous donne très peu la parole. Et souvent, même si on est mis au devant de la scène, surtout à Trappes, on parle de nous en des termes qui ne sont pas toujours corrects. Et il était important aussi de montrer cette image-là d'une jeunesse qui se mobilise en dehors de tout clivage, avec vraiment une volonté de pragmatisme et vraiment de casser toute cette logique partisane, traditionnelle, déjà séculaire en France, qui, à mon avis, n'est pas positive pour une évolution du pays, dans le sens où, aujourd'hui, qui mieux que la jeunesse pour parler de la France de demain, j'ai envie de dire. Christine Hégaz, pour Lutte Ouvrière. Pourquoi les électeurs doivent vous faire confiance ? Oui, eh bien, pour défendre un programme de lutte. Dans cette élection, 553 candidats vont défendre le même programme que Nathalie Arthaud a défendu aux élections présidentielles. Un programme préconisant la défense du camp des travailleurs. Hein. L'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous, des augmentations de salaire et l'application de l'échelle mobile des salaires et des retraites pour faire face à toutes les attaques du patronat et au chômage et au licenciement. Et également et surtout pour parvenir à cela, le contrôle des comptes des entreprises. Dans cette société, les travailleurs produisent toutes les richesses. Ils doivent être à même de contrôler les comptes et ainsi de prévenir des licenciements pour faits de boursiers, par exemple. Mesdames, Noir, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je rejoins mon collègue qui vient de s'exprimer en premier. C'est-à-dire que moi aussi, je n'en peux plus qu'on ne laisse plus sa chance à la nouvelle génération, qu'on nous diabolise dans tous les sens. Alors, par rapport à mon collègue, j'ai plusieurs années de plus, j'ai 40 ans, donc plus d'expérience, plus de vécu. Et j'ai été, on va dire, un peu poussé, auto-poussé, hein, personne ne m'a poussé, à m'inscrire aux législatives et à m'engager politiquement suite aux désastreuses élections présidentielles qui viennent d'avoir lieu. Où on nous a, comme d'habitude, sucré l'élection. On nous a fait croire qu'on avait une multiplicité de choix, mais au final, on n'avait aucun choix. Il y avait un monde ancien, gauchiste, droite, centre, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais ils sont tous ensemble. Hein. Il y en a certains qui les appellent oligarchie chez M. Assolino et M. Mélenchon. Moi, je les appelle système. Et de l'autre côté, bah, on avait le monde extrême droite qui est diabolisé depuis tous les temps. Donc en gros, le logiciel, c'est si vous voulez pas que les nazis sortent de leur cachette et qu'ils affrètent des trains pour nous déporter tous, et bah, votez pour les anciens, malgré qu'ils ont un désastreux bilan, malgré qu'ils ont volé, triché, fait de la prison. Voilà. Allez-y, Brie, pour laisser garder du temps de parole pour après. Donc, je vais laisser mon collègue parler. Voilà, on va laisser les autres candidats s'exprimer. Ensuite, il y aura différentes thématiques où chacun pourra bien évidemment à nouveau prendre la parole au cours de cette demi-heure d'émission qui va suivre sur cette 11e circonscription. Vincent Fournier, c'est à vous. Donc, candidat NPA, pourquoi les électeurs doivent vous accorder leur suffrage ? Écoutez, comme l'a dit Philippe Poutou lors du grand débat des élections présidentielles, les candidats du NPA vivent le même quotidien que des millions de travailleurs. Moi, par exemple, je suis facteur, je gagne 1 400 € par mois à peu près avec 2 enfants. Et je peux vous dire que les fins de mois difficiles que connaissent des millions de Français, je sais ce que c'est aussi. Et ça, pour nous, c'est plus supportable
alors que les richesses abondent dans ce pays. Enfin, il y a de plus en plus de milliardaires. Il y a des richesses indécentes, enfin, des fortunes colossales. Liliane Bettencourt, qui a 40 milliards de fortune, c'est pas possible. Et pourtant, c'est nous qui faisons tourner la société. Et qu'on ramasse les poubelles, qu'on construise des voitures, qu'on distribue le courrier tous les jours, il n'y a rien qui tourne sans nous. Et c'est ce qu'on a envie de dire dans ces élections. Et donc, en fait, il faut prendre conscience pour nous qu'on a le pouvoir, les travailleurs, qu'on peut faire tomber le système capitaliste en s'organisant, en se rassemblant. Et bien sûr, on n'évitera pas une grève générale nécessaire pour contraindre le grand patronat. Mais il faudra pour nous aller plus loin qu'un mai 68 ou un juin 36 et prendre le pouvoir pour exercer sur la société un réel contrôle de la classe ouvrière. Yacine Amar, c'est à vous. Vous êtes candidat de l'UPR, je ne l'ai pas précisé, hein, pour la formation politique que vous défendez. Donc trois raisons. La première, c'est voter pour une personne. J'ai grandi dans les Yvelines, je fais partie du conseil de mon quartier et je suis soucieux des préoccupations de mes concitoyens. Je reflète la mixité culturelle et ethnique de ma circonscription. Et étant issu de la société civile, je ne suis pas un politicien ou un financier. Je suis à même de représenter les intérêts de tous les Français. Deuxièmement, voter pour des valeurs. À l'UPR, tous nos candidats ont un casier judiciaire vierge. Nous accordons une grande importance à la démocratie et nous souhaitons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc, le référendum d'initiative populaire et le non-cumul des mandats. Nous avons une éthique en politique et nous faisons appel au bon sens des Français pour qu'ils se rassemblent au-dessus du clivage afin que nous retrouvions notre souveraineté nationale. Et troisièmement, voter pour des idées. Je souhaite donc faire renouer les citoyens avec la politique, donner une vraie représentativité aux dirigeants, redonner aux Français la fierté d'être Français. Première thématique que nous allons aborder à présent, comme lors de la première séquence, c'est la question de la sécurité. J'aimerais vous entendre les uns et les autres sur ce sujet. Les attentats se sont encore multipliés ces derniers jours. Et on peut penser notamment à Londres, où on a encore appris la disparition de Français encore aujourd'hui. On va commencer avec vous pour ce tour de table, Mathieu Ruffet. Pardon, pour nouveau souffle. Alors, c'est-à-dire que moi, j'avais envie d'axer déjà dans un premier temps ce thème de la sécurité au niveau donc, du lien entre la population et les forces de l'ordre. Il est vrai que, donc, en tant que jeune, moi, j'ai pas envie de prendre le monopole de la jeunesse sous prétexte que j'ai 23 ans, etc., que j'ai grandi à Trappes. Mais on est quand même aux premières lignes d'une relation qui se dégrade de plus en plus avec les forces de l'ordre. J'ai envie de mettre en avant aussi les relations avec la BAC, la Brigade anticriminalité, sans forcément créer de polémique. Mais c'est-à-dire qu'il y a toute une logique un petit peu de conflit, justement, et qui a tendance un petit peu à stigmatiser toujours la jeunesse et un type de population précis. Et il y a une sorte, j'allais dire, le non-droit, il se situe presque du côté des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'on a du mal, nous, en tant que citoyens, jeunes citoyens, à se défendre contre la police. Certes, la police est là pour nous protéger, mais parfois, qui nous protège de la police, j'ai envie de dire. Il y a du contrôle aux faciès, ça, c'est malheureusement une réalité. On part du principe où, à mon avis, ce qui serait préférable, il faudrait équiper les forces de l'ordre de mécanismes d'enregistrement audio et vidéo afin d'éviter toute forme de bavure. Je suis aussi favorable à une réorganisation de la police de proximité, dans le sens où aujourd'hui, la brigade anticriminalité a le monopole du terrain et qui, eux, donc, se focalisent principalement sur lutter contre le trafic de drogue, etc. Ils ont une manière d'agir avec une distanciation avec la population, y compris les jeunes. Il n'y a pas de dialogue et c'est extrêmement problématique. C'est-à-dire que de ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment réorganiser la police de proximité avec une autogestion de la misère sociale. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, au niveau local, peut prendre en main la sécurité des quartiers en coopération avec les forces de l'ordre, bien entendu. Mais la brigade anticriminalité n'a plus, à mon avis, la légitimité suffisante pour pouvoir intervenir sur le terrain. Et juste un petit mot sur le terrorisme. Mm-hmm. Je pense que les causes sont plus importantes que... c'est-à-dire, on s'attarde trop aux conséquences, on s'attarde au comment. On est plus dans un aspect de gestion, de réaction, plus que d'anticipation. Les causes sont avant tout sociales, économiques, et c'est la précarité, c'est le repli sur soi, le communautarisme, et l'État qui a trop souvent tendance à stigmatiser encore une fois un type de population, et qui crée, qui engendre un processus d'élitement du lien social. N'hésitez pas les uns et les autres à réagir si vous voulez, bien évidemment, interpeller les uns ou les autres des candidats pour échanger sur, à propos de vos idées. C'est à vous à présent pour vous. Oui, c'est effectivement l'insécurité et
liées à la crise sociale et politique, hein, et aussi à l'utilisation que font les États de guerre partout sur la planète. Hein. L'insécurité, elle est pour tout le monde du travail. Elle est pour tous les travailleurs qui, au péril de leur vie, sont obligés de quitter leur pays, hein, pour cause de guerre ou pour cause de famine que les pays capitalistes ont engendré. Et ces gens-là, pour ces gens-là, l'insécurité est totale. Combien meurent en Méditerranée chaque jour ? Et l'insécurité, elle est plus loin. Elle est pour tous les travailleurs. Elle est dans la peur de perdre son boulot dès demain. Et la peur de perdre son boulot demain fait qu'on travaille aussi dans des conditions qui s'aggravent de plus en plus, partout. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps, de nombreuses années, dans un travail qui paraît sans risque, le travail de bureau dans des caisses de retraite. Eh bien, dans ces les mêmes caisses, les conditions de travail se sont tellement aggravées que, oui, il y a de l'insécurité au travail, on risque les maladies professionnelles, on risque la dépression, on risque ce qu'on appelle maintenant le burn-out. Hein. Et combien, là, il va y avoir le grand procès de l'amiante, nous dit-on, combien d'années après, combien il a fallu de milliers de travailleurs qui meurent après les mines de l'amiante, de tout. Je discutais encore cet après-midi avec un habitant de Trappes qui travaille dans les travaux publics et qui me dit on n'a rien contre, voilà, on se casse le dos, mais on respire aussi des fumées nauséabondes. Il pleut, on creuse une tranchée, il y a l'électricité dedans, on n'est pas protégé. Oui, c'est ça l'insécurité, et ça, il n'y a rien. Personne dans l'État ni nulle part ne le fait. Et ce n'est pas la police qui nous en protège. C'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, il protégeait bien les intérêts des capitalistes lorsqu'on a manifesté contre les lois de travail. La question portait aussi sur la question de la sécurité autour du terrorisme. Pour revenir un petit peu aux bases, je passe à vous, Vincent Fournier. J'imagine que vous partagez aussi une partie des idées qui ont été exposées, mais on revient sur cette thématique aussi de la sécurité. En effet, je partage les idées qui viennent d'être développées par ma camarade de lutte ouvrière. Pour nous, la sécurité, d'abord, elle est sociale. C'est le chômage, les fermetures d'usines ou les expulsions locatives, par exemple. Mais sur ce sujet du terrorisme, des guerres, etc., enfin, on constate aujourd'hui qu'il y a une véritable déstabilisation au Moyen-Orient, dans une partie de l'Afrique. Et ça a été causé par les guerres des impérialistes, des pays impérialistes, dont la France fait partie, bien évidemment. Et ça a causé des dégâts considérables dans tous ces pays. Et créer en plus des groupes que moi je qualifie de fascistes, clairement, comme l'État islamique qui aujourd'hui commet des attentats dans le monde entier, toutes les semaines, voire tous les jours, parce qu'on parle beaucoup des attentats en Europe, mais quand il y a un attentat en Syrie ou en Irak, on en parle beaucoup moins, et pourtant il y en a peut-être encore plus. Et ça, il ne faut pas oublier qu'aussi, ces attentats, ces guerres, elles sont faites avec l'aide des industriels français. Parce que qui leur vend les armes, en partie, c'est Dassault, c'est Lagardère. Donc le problème, pour nous, il vient de là aussi. Voilà. Yacine Amar, pour l'UPR, je vous ferai réagir juste après. Donc, sur la sécurité, je pense qu'il faut deux actions, une préventive et une curative. La préventive, c'est en rappelant toutes nos troupes qui sont sur des théâtres de guerre illégales, où nous sommes engagés au Moyen-Orient, nous avons détruit beaucoup de pays, et nous avons nous-mêmes créé les terroristes qui aujourd'hui nous attaquent. Donc nous devons pour cela sortir de l'OTAN, qui nous rend suiveurs de cette politique guerrière et qui nuit à nos intérêts. Pour la partie curative, nous devons renforcer donc les moyens qui sont donnés à nos forces de police. Nous voyons que l'état d'urgence qui est donc en place depuis le 14 novembre 2015 et qui a été renouvelé X fois est inefficace, qu'il n'est pas appliqué. Il faut que les mesures que nous prenions soient plus fermes, plus décisives, et nous devons reprendre donc le contrôle de ce qui se passe aux frontières en termes de transport de la circulation des personnes afin de pouvoir mieux identifier les gens qui viendraient en France pour commettre des actes terroristes. On peut remarquer que maintenant, nous n'avons plus un ministère de la Défense,
Nous avons un ministère des armées, donc ce qui laisse envisager donc, des suites encore pires par rapport à nos activités à l'étranger. Donc le problème du terrorisme, je ne pense qu'il ne va pas se régler de sitôt. Si vous nous rejoignez à l'instant, le débat dans la 11e circonscription se poursuit avec une partie des candidats sur ce plateau. Nous parlons bien ce soir de la 11e circonscription, même si ce n'est pas inscrit sur votre écran. C'est la 11e circonscription qui nous intéresse dans les Yvelines à présent avec Mehdi Emnawar. Donc, quelles sont vos propositions en matière de sécurité? Le regard aussi que vous portez sur cette 11e circonscription, on parle de 60 à 80 jeunes, notamment, qui seraient partis ces derniers mois, ces dernières années, vers la Syrie, par exemple. Comment endiguer ce phénomène? Comment répondre aussi à ce problème de société? Alors, moi, je vais vous répondre sur la sécurité et sur les attentats. Après, vous me posez des questions supplémentaires. Moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse... Vous avez vos réponses, moi, je pose les questions. C'est comme voilà. Vous le souhaitez. Très, très bien. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est sauver le pays, savoir qu'il y a des jeunes qui sont partis de Trappe ou de je ne sais quel quartier que vous citez. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça relève pas un problème de société, d'organisation, justement, mon problème, c'est qu'on nous a enlevé le débat sur le sociétal et sur la société. Et si la société française, je veux dire, on peut se rejoindre tous là-dessus à des différents niveaux, elle est profondément malade, il va falloir commencer par soigner la société française, et puis après, vous verrez que tout s'enchaînera, le boulot, l'emploi, quand les gens sont mieux éduqués, mieux informés, ils auront moins envie de faire des bêtises, de la délinquance, vous parlez de la police, ou d'aller sur des théâtres de guerre, ou de devenir sympathisant pour manifester une opposition à cette société qui n'accepte pas, ou à ce système qui est devenu très violent. Hein. C'est pas juste là l'islam, les musulmans, les islamites. Hein. Vous voyez, madame, elle n'est pas musulmane, elle dénonce ce capitalisme. Elle n'est pas. Je suis athée, hein. Je suis rien du tout. Parfaitement. Donc, elle peut, vous pouvez avoir un musulman à sa place qui va parler avec la même verve, mais qui ne s'opposera pas avec les idées, parce qu'on n'est pas tous égaux au niveau de notre tolérance ou de notre fragilité, et qui ira manifester son opposition d'une autre manière. Donc, le problème fondamental, c'est d'abord les médias. Alors, je ne vous sentais pas personnellement visé, mais les médias ne sont pas libres. Il faut que les citoyens français le sachent. Dans le temps, on avait un ministre de l'information, un ministre de propagande. Aujourd'hui, ce ministre-là, il est devenu dans la tête de chaque journaliste. Et puis, vous savez, les chaînes, elles ont un patron. Ça s'achète et ça se vend. Lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous achetez une chaîne, vous en devenez l'actionnaire principal. Vous développez donc directement, indirectement, votre pensée, votre idéologie, votre vision des choses. Et à partir de là, les choses ne peuvent que mal se passer. Les informations que nous avons en boucle sur les chaînes, les journaux, les radios, sur toute source d'information. Ne criez pas au complot, je vais juste vous demander d'être un petit peu plus synthétique, parce que le temps passe et vous n'aurez plus de temps après pour vous exprimer. Voilà. Et je rappelle tout de même que vous pouvez vous exprimer librement sur ce plateau. Merci beaucoup. Donc les informations qu'on nous donne, elles sont mâchées, pré-mâchées, servies, ce n'est pas des informations brutes, on n'a pas toutes les informations, vous savez, tous les jours, rien qu'en France, vous avez 300 informations entre les faits divers, les faits politiques, etc., mais il y a des gens qui décident si on fait passer telle ou telle dizaine, vingtaine d'informations, ou les autres. Donc le peuple sera de toute façon orienté dans un sens ou dans un autre. Pour finir, la police, pareil, la police... Il faut imaginer les policiers, ils ne se réveillent pas le matin, ils se rasent et puis ils se disent « on va se donner une mission, tiens, si je partais dans tel quartier, contrôler des gens ou voir si tout se passe bien ». Ils sont aux ordres, il faut dire les choses comme ils sont aux ordres. Ils n'ont aucun pouvoir, aucune marge de manœuvre. On leur dit « allez là-bas, allez ici » ou après on leur met des sanctions parce qu'ils n'ont pas assez contrôlé, ils n'ont pas assez… En 5 minutes. En 5 secondes, pardon, vous êtes à 5 minutes de temps de parole. En 5 secondes, je pense que je vais m'arrêter là. Allez. Voilà, pour pouvoir réagir ensuite après, l'écart se creuse. Sinon, entre vous, je vous ai vu acquiescer certaines des choses qui avaient été dites. Bien sûr, principalement au niveau médiatique, c'est-à-dire que souvent, quand on parle de terrorisme, on va parler de religion, on va parler d'islam. Franchement, je pense que le problème est beaucoup plus complexe que cela. Le réduire à la simple question religieuse, ça n'a aucun sens. Il faut réfléchir au problème de fond. C'est un long processus. Il y a des causes sociologiques. Je pense qu'avant tout, il y a des facteurs de désintégration sociale. Les obstacles culturels ne sont pas des problèmes, mais les délitements sociaux et les inégalités sociales et les injustices sociales et historiques sont des vrais problèmes qui sont
assimilée, incorporée par une frange de la population qui est marginalisée et qui entre en réaction envers un État qui, vis-à-vis desquels ils vont tenir responsable de leur situation actuelle. Il y a tout un cheminement à effectuer et il ne faut pas prendre les choses comme telles. La vraie vie, enfin, j'ai envie de dire, la vraie vie, ce n'est pas la vie de BFM TV. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que cela. Ce n'est pas une question de religieux, c'est beaucoup plus complexe que ça. Yacine Amar pour l'UPR ou Vincent Fournier pour l'UNPA. Si vous souhaitez réagir, vous avez un peu plus d'une minute de retard par rapport aux autres. Sinon, on va avancer sur les thématiques. Non, pas sur ce sujet. Pas sur ce sujet. Donc, cette émission. Si je peux faire une petite remarque. Parce que c'est vrai que sinon, vous allez passer la soirée à nous demander à réagir les uns par rapport aux autres. Si je peux permettre une petite remarque. Sur ce plateau, il n'y a pas trop de différence. Hein. Là où j'aurais bien aimé réagir, c'est le plateau précédent que j'ai vu en coulisses. Il y avait plein de choses qui m'ont fait bondir. Ici, bon, franchement, je n'ai pas envie d'arrêter les collègues quand ils développent leurs pensées, mais le tableau précédent, oui, là, j'avais envie de bondir. Malheureusement, vous nous avez séparés en deux plateaux. Voilà. Faire maintenant avec ce qu'on a. Je redonne la règle qui a été donnée pour l'ensemble des candidats. Bien évidemment, vous le voyez, vous-même sur ce plateau, en étant présent, on ne peut pas accueillir plus de 6 personnes simultanément et il faut respecter l'équité. L'équité, oui. C'est la recommandation du CSA. Si et vous le savez, si vous... je vais vous passer la parole si je peux juste terminer de m'adresser aux téléspectateurs. Vous le savez, la règle qui est fixée et qui est dictée par le CSA, c'est celle de l'équité. Nous allons au-delà, puisque nous basons sur l'égalité et nous allons même au-delà de l'équité. Quasiment toutes les formations ont eu le même temps de parole sur les différentes circonscriptions que nous couvrons. Je vous laisse réagir et après on avance, sinon l'émission va se terminer. Mais et vous n'aurez pas pu vous exprimer. Je rappelle aussi que vous avez une carte blanche après pour choisir le sujet que vous voulez mettre en avant. Juste sur ce qu'a dit monsieur, enfin, il n'y a pas trop de différence dans le constat. Ça reste à voir. Mais en tout cas, moi, j'ai cru comprendre que vous avez voté Front National au premier tour et ce n'est pas du tout ce qu'on défend. Nous, on ne cherche pas à diviser les travailleurs, mais à les rassembler. Donc, pour moi, il y a une énorme différence entre nous. Je suis obligé de répondre. Ah bah allez-y, bon, en deux mots, oui. C'est très léger comme argument. Hein, si c'est une différence entre travailleurs que vous dites que moi ou le Front National ne défend pas, c'est super léger comme argument. Il aurait fallu. Front National, tout le monde sait ce que c'est. Non, mais ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous défendez les travailleurs et donc moi ou le Front National, nous ne le défendons pas. Pour être tout à fait honnête, vous aurez dû dire pourquoi j'ai appelé à voter Front National. Je ne fais pas partie du Front National, je ne suis pas le candidat du Front National. Il y a une vidéo un petit peu qui est sur... Je suis moi-même donc blogueur, tout le monde peut me trouver un peu partout. Mon site, c'est medimnawar.com. Et j'ai fait une vidéo la veille du premier tour explicative sur le pourquoi j'ai fait le choix de voter Front National. Expliquez-nous pourquoi. C'était faites-le purement... pour le plateau pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. J'invite... ou alors je vous interromps. C'est long parce que M. Mélenchon, par exemple... Donc on invite les téléspectateurs à suivre cette vidéo que vous avez publiée sur Internet, ce sera le mieux. C'était la veille du premier tour. J'ai été censuré pendant 15 jours de Facebook à plusieurs reprises pour m'éviter justement de donner une consigne de vote. Monsieur Mélenchon, il n'y a aucun journaliste qui veut parler de ses affaires passées parce qu'il en a bien profité quand il était conseiller général, il a utilisé des voitures. Je suis désolé, je vous interromps. Vous êtes à plus de 6 minutes de temps de parole, les autres en sont à peine à 2 minutes. La fille de Monsieur Mélenchon, il n'y a aucune égalité qui est respectée. Il faut respecter les règles qui ont été fixées. Vous connaissez les règles, elles ont été fixées. Si vous ne les acceptiez pas, vous n'aviez pas l'obligation de venir sur ce plateau. Je suis obligé de vous interrompre et je renvoie. Vous m'interpellez, je réponds. Et je renvoie, comme je vous ai dit, soit vous synthétisez, soit on renvoie vers la vidéo que vous avez publiée, ce que vous avez fait en mentionnant votre blog. Quand j'ai commencé à parler de Mélenchon. Ça vous a pas plu. Vous aurez dû me laisser finir. Nous allons voir à présent les temps de parole qui s'affichent et pour ne pas pénaliser les candidats, je ne vous répondrai pas. Nous allons voir les différents taux de parole qui vont s'afficher. Vous le voyez, vous avez pris beaucoup d'avance par rapport aux autres candidats. Si on peut juste passer à la seconde thématique, et je préciserai qu'il y a une petite erreur qui a été faite sur les différentes photos des candidats, si on peut la corriger, Mehdi Ennouar, notamment Yacine Amar, les deux photos ont été interverties. Et je le précise pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur ce plateau, je le redis. Donc on n'affichera plus ça et je vous redonnerai les temps, bien évidemment, aux uns et aux autres pour que vous puissiez vous positionner. Voilà, ceci étant fait, l'éducation à présent, c'est l'autre thématique qui nous intéresse. On va commencer avec vous pour Lutte Ouvrière, le regard, les propositions que vous portez en matière d'éducation. On va rejoindre un petit peu peut-être ce qui a été dit sur le plateau de la sécurité, de la prévention, de l'aide aux personnes les plus démunies. Il faut faire une éducation finalement, renforcer l'éducation pour éviter d'arriver sur des questions de délinquance peut-être aussi. C'était pas du tout mon thème. C'était pas du tout comme ça que j'envisageais. L'éducation. Envisagez-le comme vous voulez, c'était une question. L'éducation, ça revient régulièrement. On fait une réforme pour masquer la pauvreté du système et de l'éducation. Hein, et de la misère de l'éducation nationale.
Là, à nouveau, Macron nous dit « Ah, c'est formidable, on va faire des classes de CP de 12 élèves ». Alors, il ne précise pas qu'il va augmenter les moyens, au contraire. Et il dit c'est dans les ZEP. Alors, ça tombe bien parce que le gouvernement d'avant avait déjà réduit les zones d'éducation prioritaire à peau de chagrin. Donc, finalement, ça lui coûtera pas grand-chose. Et c'est encore une fois du vent, on nous parle de réforme. Alors, on va réintroduire le grec et le latin. Enfin, de moi, le latin, je n'ai rien contre, au contraire. Mais ce n'est pas intéressant. Quand donnera-t-on à l'éducation nationale et pour l'éducation des jeunes dans son ensemble et à tous les niveaux, pas seulement pour les classes des bons quartiers, mais pour toutes les écoles, qu'elles soient primaires, qu'elles soient secondaires ou aux universités, et voire même la formation professionnelle après tout au long de la vie, et la culture, les moyens nécessaires que l'on peut prendre quand même en économisant sérieusement sur les cadeaux qu'on fait aux entreprises. Je vous passe la parole à présent pour l'UPR sur vos propositions sur l'éducation. Donc, concernant l'éducation, on peut voir que toutes les réformes qui ont été passées ces dernières décennies ont considérablement dégradé le niveau des élèves à l'école. Donc je pense qu'il est important qu'on redresse la barre, qu'on donne plus de moyens aux enseignants pour mieux former nos enfants, qu'on implique les parents, on les responsabilise vis-à-vis de leurs enfants pour les faire travailler, faire faire leurs devoirs, pour que tout ne soit pas à la charge de l'éducation nationale. Il faut donc leur redonner le goût à l'effort et à la persévérance. Je pense que c'est une des choses les plus importantes qui s'est perdue depuis ces dernières décennies. Il faut qu'une neutralité dans les cours et dans l'enseignement qui est fait donc à l'école, en termes surtout donc d'éducation civique et d'histoire-géographie, favoriser la mixité sociale en arrêtant de faire ces écoles d'élite, où tout le monde se rassemble avec donc une sélection et puis des écoles plus, on va dire, poubelles, qui engendrent du coup des écarts de niveau considérables. Ce n'est pas quelque chose qui sont dans les valeurs de notre République, je pense. Donc il faut améliorer cet écart, il faut le réduire. Il faut assurer aussi la paix dans nos établissements. On a vu dans l'actualité beaucoup d'événements qui sont quand même très inquiétants en termes de sécurité dans les écoles, entre les élèves, mais aussi entre élèves et enseignants, faisant souvent aussi montrer que des personnes de l'extérieur aux établissements rentraient dans les écoles pour régler des comptes. Et donc il faut vraiment renforcer les moyens pour que ces choses-là n'arrivent plus. On passe à vous, Vincent Fournier, du côté du NPA, concernant l'éducation, peut-être en revenant aussi sur cette circonscription et peut-être les difficultés qui y sont rencontrées. Écoutez, sur l'éducation nationale, pour nous, le problème, il est le même que dans tous les services publics, hein, que ce soit à la Poste, à la SNCF, à EDF. On supprime depuis des années des dizaines de milliers d'emplois. Donc après, il n'y a pas de surprise, les moyens ne sont pas là, donc ça se dégrade. J'entendais tout à l'heure sur le premier plateau une espèce de faux débat entre la semaine de 4 jours, la semaine de 5 jours. Pour nous, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est qu'on supprime des emplois, qu'on ferme des classes, ça se multiplie, hein, les fermetures de classes en primaire notamment. D'ailleurs, il y a des luttes régulièrement, il y a beaucoup de parents d'élèves qui s'en préoccupent et qui vont parfois jusqu'à occuper des classes pour garder l'ouverture de certaines classes. Et voilà, donc évidemment, il faut créer des emplois, il faut recréer les emplois qu'on a supprimés et il faut même en créer de nouveaux. Puisque pour nous, des classes, enfin moi j'ai l'exemple, ma fille elle va rentrer en maternelle, on m'a dit il y a 28 élèves dans sa classe. Pour nous, ça c'est pas possible. Il faut démultiplier les classes et donc donner les moyens et recruter des enseignants et des assistants, par exemple dans les maternelles, en nombre. Mathieu Ruffet. Alors oui, c'est une question de moyens, bien entendu, mais je pense que c'est un peu plus, encore une fois, il faut approfondir. C'est-à-dire que c'est aussi une question d'engagement, d'état d'esprit un petit peu, des pouvoirs publics aujourd'hui, d'essayer de briser les mécanismes de reproduction sociale. On peut réactualiser les thèses de Bourdieu, etc. Bon, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une frange de la population qui est issue de la catégorie dominante ou des classes dominantes, qui, eux, ont plus de chances de réussir.
Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut essayer, non pas d'éradiquer, mais d'endiguer dans le sens où il faut donner la chance à tout le monde, il faut accorder une équité, y compris pour la jeunesse des classes populaires. Donc, je pense qu'il faut valoriser dès le plus jeune âge le talent de chacun. Il ne faut pas préparer une société de salariat. Ça aussi, il faut essayer de dépasser un petit peu cette logique de préparer de futurs salariés, de dépasser un petit peu toute cette logique de se dire que oui, je vais me trouver un poste, une entreprise, etc. Il faut vraiment essayer de révéler les talents, essayer de mettre en avant le potentiel de chacun. Et je pense qu'il faut faire confiance aussi aux professeurs. Les professeurs souvent sont là par vocation et ils sont capables d'amener les jeunes vers la réussite et de les considérer au travers de leur potentiel et pas uniquement d'un degré d'employabilité. Plein de bacheliers, c'est bien, mais après, voilà, ça sert à quoi dans le fond? Je pense qu'il est nécessaire vraiment de donner la chance à chacun de pouvoir exprimer son talent un petit peu en dehors donc, du carcan, du salariat, etc. Peut-être de donner plus la chance à des futurs entrepreneurs. Moi, je suis aussi favorable, dès le collège, à l'apprentissage des sciences sociales. Je pense que la sociologie, aujourd'hui, a son mot à dire. Et je pense aussi que pour les jeunes issus des classes populaires, il est important, au travers donc, de l'apport de la sociologie, de prendre conscience de leur propre situation, de relativiser et d'essayer d'être armé face à une société qui est souvent injuste, souvent inégale, et d'autant plus quand on vient des classes populaires. Ce sera l'heure après de votre carte blanche aux uns et aux autres. Tout d'abord, Mehdi Emnawar, sur cette question de l'éducation. Je vais vous demander d'être concis, puisque vous aviez de l'avance. D'accord. Bon, sur l'éducation nationale, pareil, là, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Là, on peut débattre éternellement de pourquoi ça ne marche pas à l'école, pourquoi on est mal classé aux classements internationaux. Les solutions, je vois bien qu'en face, monsieur du nouveau parti anticapitaliste, l'extrême gauche ou madame de l'extrême gauche, tous ces partis, ça a été perméable au travers du temps. Ils ont des représentants qui ont gouverné. Ah non, madame. Non, je suis désolée. Non, je suis communiste. Alors, quelques communistes sont allés, mais ils étaient du parti communiste. C'est ce que je viens de dire. Ils n'étaient pas trotskistes, même. C'est différent. Vous voyez, ça parle à personne de parler de trotskisme, etc. Vous avez des communistes qui ont été au pouvoir. Mais savoir que je suis communiste peut intéresser, effectivement. Là, vous me prenez sur mon temps de parole, mais moi, je disais pas le contraire de vous. J'ai dit que l'extrême gauche a, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvée un jour au gouvernement. Bien sûr, je vous interromps et je mets fin à cette discussion sur ce plateau. Madame Taubira a été au gouvernement, donc je ne sais pas où vous la cachez. Non, mais vous, loin de là. Si je peux juste répondre à ce qui a été dit, je rappelle que les candidats qui sont face à vous représentent le NPA et Lutte ouvrière. Ils ne représentent pas le Parti communiste, ce sont des franges des différentes formations politiques. Donc voilà, ils vous ont répondu, vous avez également répondu, je vais vous demander en 30 secondes, parce que je vous l'ai dit, vous avez beaucoup d'avance sur le temps de parole, de parler de vos propositions en matière d'éducation, de regard que vous portez aussi sur ce qui est proposé dans un premier temps par Emmanuel Macron, parce que si vous êtes élu, vous allez siéger à l'Assemblée et vous devrez voter des lois. Donc, parce que j'ai été interpellé tout à l'heure, je reviens. Moi, je combats cette extrême gauche, cette gauche, et après, par extension, on a vu avec Macron que tout est perméable, centre-droite, républicaine, qui s'appelle républicaine, les républicains, se rejoignent sur tous les thèmes. Dans l'autre monde, il y avait le Front National et puis tous les rebelles qui se sont agglutinés autour. Moi, je suis contre cette gauche-là et cette extrême gauche. Ils ont gouverné. Madame Taubira et leurs idées, ils ont été largement présents, surtout dans l'éducation nationale, qui est un désastre. Donc l'éducation nationale, si c'est un désastre, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'élèves par classe, c'est pas comme préconise monsieur, comme ils ont toujours préconisé, qu'il faut embaucher en masse pour réduire le nombre d'élèves. Tout ça, c'est des bêtises. Vous avez en Afrique des classes où ils sont 35, ils sont des fois 40. Vous prenez n'importe lequel quand ils arrivent en France. Ils maîtrisent mieux les mathématiques que n'importe quel Français du même âge. Ils sont au minimum trilingues, alors que la majorité, madame vient de parler du latin, mais c'est vrai, la majorité des Français ne connaissent pas. Je vous ai demandé de terminer votre phrase, vous ne terminez pas. Je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre. Vous êtes à 8 minutes de temps de parole, les autres à 4 minutes, c'est pas possible. Vous m'empêchez de parler. Bah, finissez votre phrase, mais vous n'interviendrez pas sur la carte blanche. Donc, même sur le français, que les Français ne maîtrisent pas leur langue totalement. Ceci est une catastrophe. Ça ne vient pas du nombre d'élèves par classe, comme je viens de vous dire.
La proposition, c'est arrêter cette hypocrisie. Ça ne vient l'éducation nationale, c'est à peu près. Moi, je vous dis, c'est comme à l'époque les militaires qu'on avait en Algérie, qui faisaient. Je suis désolé. On avait les militaires français qui faisaient l'éducation en Algérie. Carte blanche des uns et des autres, carte blanche auxquelles vous ne pourrez pas participer. Je vous l'ai dit, vous avez trop de temps de parole par rapport aux autres. Il faut casser le cartel de l'éducation nationale. Voilà. Je crois que le message a été entendu. Nous passons maintenant donc à vos cartes blanches aux uns et aux autres. On va commencer avec vous pour l'UPR. Vous êtes le plus en retard. Vous avez plus d'une minute si vous souhaitez développer un sujet. Quel sujet souhaitez-vous mettre en avant lorsque vous serez élu? Voilà, tout simplement, si vous êtes élu. Alors moi, le sujet qui m'intéresse, c'est l'industrie. Donc, car je suis ingénieur et chef d'entreprise. Je pense aussi que dans notre circonscription, on a beaucoup de grandes entreprises et de plus petites, c'est un bassin. Donc on peut voir que nous avons inventé le Concorde, le TGV, le GSM. On a fait le Minitel, le précurseur de Internet. Et on peut voir que depuis ces temps-là, rien ne sort. Rien, la France ne brille plus comme elle brillait avant. Et on peut se demander pourquoi nous avons fermé notre dernier haut fourneau, pourquoi nous vendons nos cristalleries et pourquoi nos usines à textiles. Tout le savoir-faire français est en train de mourir petit à petit depuis une trentaine d'années. Et je pense qu'il est important de se poser la question de pourquoi. En dehors du fait que nous avons un euro qui est trop fort pour nous, qui finalement ne nous rend pas compétitifs et justement nous détruit à petit feu, il y a aussi donc les règles du jeu qui sont asymétriques. Donc n'importe quel pays, quelle personne d'un autre pays peut racheter des terroirs, peut racheter des entreprises en France. On l'a vu avec Alstom dernièrement. Mais l'inverse n'est pas possible. Je ne pense pas que je puisse acheter un fleuron technologique aux États-Unis ou en Chine. Donc il faut qu'on instaure plus de protectionnisme pour protéger justement nos industries et nos travailleurs, les gens qui travaillent dans ces entreprises. Et on peut voir que les lois aujourd'hui qui sont imposées par l'Union européenne nous empêchent de faire ceci, puisqu'il y a la libre circulation des capitaux, des marchandises et des personnes. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas d'harmonisation fiscale ni sociale, c'est simple. Les grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles ouvrent leurs usines en Europe de l'Est ou ailleurs, encore plus loin. Elles ont leur siège au Luxembourg ou en Irlande et elles payent du coup 2% d'impôts. Et on voit que ça détruit le tissu. Les usines, on en a une qui ferme par jour. On a 1000 personnes qui passent en dessous du seuil de pauvreté, à peu près par jour. Plus le nombre de toutes les 14 000 suicides par an qu'on va retrouver en France. On voit que les traités dans lesquels nous sommes rentrés contre l'avis des Français en 2005, qui ont voté non au référendum, nous nuisent profondément à notre économie et instaurent de plus en plus de chômage. Et on voit que depuis, la courbe ne cesse de monter, et elle n'a pas fini de monter. Vincent Fournier, votre carte blanche. Et moi, je voulais aborder un sujet qui est assez peu abordé, à mon avis, dans les médias, au vu de la gravité de la situation. C'est la politique criminelle en ce moment en Tchétchénie, de répression contre la communauté homosexuelle. Parce qu'il faut savoir quand même... Donc tu vois, ça, c'est le cinéma habituel, ça. Ça, excusez-moi, je vais juste vous demander de laisser à la carte blanche les autres. Allez-y, poursuivez. Vincent Fournier, est-ce que vous en avez la preuve de ce excusez-moi, que vous en avez vous en avez beaucoup trop parlé. Excusez-moi, Il y a des réfugiés qui sont arrivés en France. Juste. Vous n'en avez aucune preuve, c'est juste. Vous répétez du blablabla. S'il vous plaît, je vais vous demander de vous interrompre ou je vais vous demander de quitter le plateau si vous ne laissez pas parler les autres candidats. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Quitter le plateau, alors. Si vous ne voulez pas laisser parler les autres candidats, excusez-moi, je vous demande de quitter le plateau tout simplement. Voilà. Soit vous laissez parler les autres candidats. Je vais vous demander de quitter le plateau si vous ne laissez pas parler les autres candidats. C'est la dernière fois que je vous le demande. Vous pouvez me demander. Vincent Fournier, si vous avez un problème avec les combats contre l'homosexualité ou le féminisme, vous pouvez. Vincent Fournier, s'il vous plaît, je vous laisse faire votre carte blanche. Allez-y. C'est le sujet. J'ai des problèmes avec vos mensonges. Oui, bien sûr. Donc il n'y a aucun problème en Tchétchénie contre l'homosexualité. Vous répétez des bêtises. Pas de Médium noir, s'il vous plaît, je vous demande de quitter le plateau. La théorie du complot. Allez-y. Donc il y a une véritable politique de répression. Il y a y compris des Tchétchènes qui sont arrivés en France dernièrement. Et il faut qu'il y ait un effort là-dessus du gouvernement français pour aider, bien sûr, à ce qu'ils viennent plus facilement et ce qu'ils aient un visa plus rapidement.
Et c'est quand même une gravité, c'est des camps de véritables camps de concentration, même si c'est certainement... Non, là, c'est énorme, je ne peux pas laisser dire des choses. Excusez-moi, c'est juste pas possible, s'il vous plaît. Je vous demande à tous, alors, soit vous interrompez, soit nous rendons l'antenne et le débat va s'interrompre et ce sera inégal pour l'ensemble des candidats. Très bien, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce débat. Pour les téléspectateurs, visiblement que vous ne respectez pas, nous allons être obligés d'interrompre ce débat. C'est donc la fin de cette édition et je vous donnerai du temps de parole dans notre prochaine édition du journal. Nous ferons des interviews avec vous, vous aurez du temps de parole équilibré, à moins que M. M. Noir quitte le plateau et permette aux autres de s'exprimer. Vous ne souhaitez pas quitter au le plateau. Au minimum, c'est taise. Je ne laisse pas dire de bêtises. Au minimum, c'est taise. Est-ce que vous pouvez laisser les autres parler? C'est comme les autres bêtises sur le salaire. Je m'excuserai, je vous donnerai du temps de parole, mais vous comprenez. On n'en a jamais vu. J'espère que vous comprenez les uns les autres que pour les autres bêtises. Les travailleurs n'est pas. Excusez-moi, donc si en régie, nous pouvons couper les micros parce que ce n'est pas audible. Si en régie, nous pouvons couper... Voilà, si vous pouvez couper les micros des intervenants, vous pouvez bien évidemment agréer, comme il se doit, toutes nos excuses pour ce débordement en plateau. Vous le voyez, ce candidat pénalise les autres candidats. Nous avons joué le jeu et donné la parole à tous les candidats. Ils se sont tous exprimés sur ce plateau. Certains, non, l'un en l'occurrence ce soir, n'a pas respecté le jeu. Je m'engage auprès des autres. Nous allons vous interviewer ensuite et nous passons ces séquences dans le journal. Veuillez nous en excuser. Sauf que le reportage ne pourra pas être diffusé puisque nous devons arrêter cela pour les diffusions à partir du week-end. Voilà, donc ça passera dans le journal de demain. Demain, jeudi, vous aurez du temps de parole pour équilibrer. Je suis vraiment déçu du comportement de cet invité et qui pénalise les autres. Merci de nous avoir suivis néanmoins. Générique.